Rebonsoir. Donc, la conférence débat va commencer. Comme vous pouvez constater, nos invités en visioconférence sont connectés. Donc, pour vous servir ce soir en tant qu'animatrice Réline, déjà dans le staff logistique, donc il y a Jean-Georges, et pour la traduction, Hector. Alors, comme vous le savez, le M2ES fête ses 30 ans. 30 l'on est à pas 30 jours. Au cœur de cette manifestation, de cette semaine riche en manifestations qui va se terminer par le Congrès, nous avons placé deux thématiques, l'émancipation et la décolonisation. Ce soir, nous allons parler de manière concrète du processus de décolonisation à dimension internationale, puisque nous avons plusieurs invités pour la Martinique, Garcin Malsa. Pour la Guadeloupe, Luc Rinette. Pour Bonaire, donc, il va intervenir en anglais, il sera traduit par Hector James Finiez. Pour la Polynésie, Motai Broterson, qui est le député. Et enfin, pour la Kanaky, dit simplement la Nouvelle-Calédonie, un intervenant du FLNKS. Donc, après les interventions de nos invités, on va vous laisser un créneau pour poser des questions de manière directe, comme ça ils pourront y répondre. Et par la suite, ben, nous lancerons le débat entre nous. Voilà déjà pour le mot d'introduction. Il y aura aussi un invité pour la Guyane, donc Servais Alphonsine, pour le comité drapeau. Donc, je vais laisser la parole tout de suite à Maurice Pinda, qui va faire l'introduction et de toute façon sera le fil rouge de toute la soirée. Donc, il aura l'occasion d'intervenir à plusieurs reprises. Voilà, Maurice. Bon ben bonsoir, bonsoir tout. Je vais parler français. Bonsoir tout le monde. Donc la conférence internationale. Salut à tous les camarades présents, camarades de Bonaire, James, how are you? Fine. Et le camarade de la Guadeloupe, Luc Rinette, combattant de longue date du mouvement anticolonialiste guadeloupéen. Nous avons Garcin Malsa aussi de la Martinique. Motai Broterson, député de la Polynésie, et puis camarade de la Nouvelle-Calédonie, il me semble que je reconnais Wassissi, si je ne me trompe pas. Donc voilà, ben, et ceux qui l'ont fait, pourquoi pas les Français morceaux, vous comprenez, vous qui êtes là, nous faisons cette conférence dans la droite ligne de notre congrès de 30 années, et sur le thème, c'est la décolonisation. La décolonisation et nos invités vont nous parler de leur expérience en ce qui concerne la décolonisation. Pour nous, après 30 ans d'existence, où nous avons pris comme orientation dans le chemin de la décolonisation et de l'émancipation sociale, il nous semble que nous sommes arrivés à un moment où ça ne doit pas être quelque chose de tabou. Mais ça doit être quelque chose que nous devons envisager sereinement et ensemble. La question de la décolonisation, nous espérons qu'après notre congrès, nous pourrons sillonner le pays, entreprendre des discussions avec les différents groupes et poser cette question nécessaire pour nous, indispensable, de la décolonisation. Je n'entrerai pas dans plus de détails et je passe tout de suite à Réline la parole afin qu'elle fasse intervenir tous ces intervenants dans un ordre qui est prédéfini d'ailleurs. Merci Maurice. Donc, on va tout de suite laisser la parole à nos frères hein, de la Martinique. Donc, ce sera Monsieur Garcin Malsa. Donc, chaque intervenant prendra la parole pour 10 minutes. Voilà. Monsieur Malsa, bonsoir. Alors, on ne le voit pas. Le micro est déconnecté. Donc, si vous nous entendez, activez votre micro.
Alors, ce que je propose, c'est que ben, on va faire une permutation. Alors, Monsieur Reynet, est-ce que vous nous entendez? Alors, pareil, il faut activer le micro. Regardez certainement en bas à gauche. Ça y est, Voilà. c'est bon. C'est bon. Vous m'entendez là, actuellement? Oui, très bien. La parole vous est donnée. Bon, je vais rester dans le cadre de 10 minutes, bien entendu. Je vais commencer par saluer donc tous les frères donc des différents pays cités. Hein. J'espère n'oublier aucun. Bonaire, la Kanaky, la Nouvelle-Calédonie, la Martinique et bien entendu la Guyane. Je profite de vous saluer le peuple guyanais qui nous reçoit. De saluer aussi le MDS, dont c'est le 30e anniversaire, et saluer, bien entendu, le 12e congrès. Pour commencer, je vais rapidement parler un peu de la situation. Vous m'entendez là? Vous m'entendez? Très bien, on vous entend parfaitement. Bien. Rapidement passer un peu en revue la situation de la Guadeloupe, parce que comme certains le savent peut-être, depuis un mois, il y a une grève générale qui a lieu en Guadeloupe. Bon, c'est vrai que cette grève générale n'a rien à voir avec ce qui s'est passé chez nous en 2009, à l'époque du LKP. Il y en a, je compte profitation, parce que les manifestations ont été essentiellement, je dirais, sur les routes avec des barrages multiples, des situations, je dirais, assez difficiles. Et depuis, je dirais, une dizaine de jours, il n'y a plus de barrages. Simplement, un processus s'était engagé entre les syndicalistes, donc réunis en intersyndical, l'État français et également les élus guadeloupéens. Bon, au moment où je vous parle, il y a une rupture totale des entretiens. Je ne dirais même pas des négociations parce qu'elles n'ont jamais commencé, parce qu'il y avait un préalable qui a été, donc, je dirais, imposé par l'État français, à savoir reconnaître que les jeunes qui ont fait des actions sont des criminels. Donc, l'intersyndicale n'a pas accepté. Et le préalable de l'intersyndicale, c'était effectivement qu'une solution soit trouvée pour les personnes qui sont privées d'emploi depuis effectivement l'obligation qui leur a été faite de se faire vacciner. Nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation particulièrement compliquée parce qu'on ne voit pas vraiment quelle issue à ce conflit. Ce soir, même au moment où je parle, il y a eu donc un meeting à Pointe-à-Pitre pour que les syndicats essaie de trouver, je dirais, un chemin critique. Et samedi qui vient, il va y avoir une grande manifestation dans la ville de Bémao, qui est la principale ville de la Guadeloupe. Ça, c'est pour situer un peu les choses. Ce qui est certain, c'est que à travers tout cela, nous qui sommes les politiques, nous nous rendons compte que nos élus guadeloupéens, même s'ils avaient ou ils ont la volonté de participer à la recherche d'une solution, n'en ont pas les moyens, dans la mesure où nous sommes département français. Nous sommes effectivement limités en termes de compétences et la clé du problème se trouve entre les mains de l'État français. Ce qui diffère quand même, il faut le constater, c'est que la quasi-totalité des élus pratiquement se rendent compte qu'il faut changer de statut, en tout cas domicilier un certain pouvoir en Guadeloupe. Et ça, c'est une évolution par rapport à avant, où beaucoup d'entre eux étaient frileux, étaient très attachés à la France. Donc ça évolue, mais donc ça, c'est positif. La deuxième chose que je peux dire concernant la Guadeloupe, c'est que les organisations indépendantistes et autonomistes se sont regroupées et ont rédigé une charte. Je pense qu'ils vont prendre des initiatives à partir de janvier, donc dans quelques jours, parce qu'il est important que la question de la souveraineté guadeloupéenne soit de nouveau à l'ordre du jour. Donc c'est pour dire que les choses quand même mûrissent. Certains diront que c'est une unième tentative d'unité, de rapprochement, mais peu importe. Ce qui est important, c'est de ne jamais perdre le cap et de continuer à croire effectivement à notre destin. Justement, concernant le destin, nous avons été très, très attentifs à ce qui s'est passé en Kanaky, Nouvelle-Calédonie, le week-end passé, avec, je dirais, nous dirons, un référendum biaisé, où effectivement, il y a eu un simulacre de référendum, où les jeux étaient déjà faits avant et les dés étaient pipés. Et on peut dire avec le recul que depuis effectivement le plan Messmer de 1972, qui envisageait le blanchiment donc, de la Kanaky à travers l'envoi massif donc, de Français, d'hommes et de femmes, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, en 2021, la France a voulu parachever sa conquête militaire qu'elle a faite dans ce pays
à travers les yeux. Nous sommes effectivement très préoccupés par l'avenir de nos frères de Kanaky et nous disons que ce qui s'est passé en Kanaky risque de nous arriver à nous également. Quelque part, ça doit servir, je dirais, d'élément d'alerte pour que nous soyons de plus en plus attentifs et même, je dirais, sur la défensive pour que petit à petit, la démarche visant à nous remplacer dans notre propre pays n'aboutisse pas. Voilà où nous en sommes. C'est sûr que je ne vais pas dire trop ce soir dans la mesure où il serait prétentieux de ma part pour dire que nous sommes vraiment sur le chemin de la décolonisation. Ce que je peux dire en conclusion, parce qu'il faut rester dans les 10 minutes, c'est que nous avons le sentiment quand même qu'il y a un mûrissement des consciences au niveau de la population qui se rend compte, je dirais, dans le réel, du manque de pouvoir, je parle de pouvoir efficient, de la part de nos élus. Et ça interpelle au point où de plus en plus, l'idée de la domiciliation de pouvoir, voire régalien, chez nous fait son chemin, et ça c'est une bonne chose, et pour nous c'est une source d'espérance. Merci Monsieur Malsa. Alors, Monsieur Renette, autant pour moi. J'interpelle là tout de suite pour le coup Monsieur Malsa. Est-ce qu'il nous entend? Son micro est fermé toujours. Est-ce que vous pouvez l'activer? Alors, je crois qu'il est. Oui, il a du mal à désactiver son micro. Alors, Monsieur Renette, est-ce que vous avez quand même des éléments à rajouter? Oui, juste une phrase. C'est que pendant longtemps, les organisations luttant pour la souveraineté de Guyane, Martinique et Guadeloupe se rencontraient. La dernière rencontre, en fait, avec les camarades martiniquais et guyanais, pour la Guyane, c'était effectivement Maurice Pindar, qui est ici présent, que je salue, c'est un frère de combat. Eh bien, c'était à Paris où nous avons ensemble rencontré Roch Van Mitten, donc du FLNKS. Et nous pensons que plus que jamais, il faut que nous trouvions les voies et moyens de nous rapprocher de façon à lutter ensemble pour la décolonisation de nos pays respectifs. Merci beaucoup, Monsieur Renette. Alors, entre-temps, Maurice a essayé de joindre Monsieur Malsa. Il l'a eu. Énième tentative. Bon. Alors, on passe à... Merci beaucoup, Monsieur Renette. Je vous propose de désactiver votre micro pour le coup. Oui. On fait passer tout le monde et après, vous aurez l'occasion de poser vos questions directement aux différents intervenants. Alors, nous laissons donc la parole donc, au camarade James Fignez de Bonaire. Bonsoir. 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 Greetings to Sabine, Maurice, and all other Guyana friends, brothers and sisters. Thank you so much for the opportunity and congratulations with your 30th year of the movement, the Decolonisation de Emancipation Sociale, the MDS. Congratulations with the 30th year. Tonight I'm here to an invitation on Maurice, our good friend Maurice, who got ventured in the Caribbean to come with us and to fight with us towards decolonization of the remaining colonies in the Caribbean and the Americas. So today I'm gonna speak about Dutch colonization. Dutch colonization in the Caribbean, it's still there. We are a colony. But the hidden Dutch colonies in the Caribbean, that's how my presentation will call. For centuries,
387 years of Dutch colonial modifications. Dutch colonization started in 1634 and they never stopped and they never left. Today, 16th of December 2021. Some Dutch historical facts were the first to start trading enslaved Africans to the American continent in about 1619. Were the last to stop abolition acts, to trading an abolition acts in 1834. With the last European country, we were the last that was abolished in the slavery in the Caribbean in 1873. The Dutch colonization, colonial companies, the West Indian Company and the VOC, the Ost India Company, are world's history largest companies. They are 10 times bigger than the Apple and the Microsoft combined. That's how big that business was. Well, our story. Since 1619, the Dutch started to trade enslaved Africans with the American continent colonies, and they replaced the enslaved Indians in the colonies with enslaved people from Africa. In recent history, a constitutional reform in the Netherlands Antilles and Dutch East Indies had been made as early in 1942, the same year that the Netherlands signed the declaration by the United Nations. The kingdom should consist of newly constituted countries which should form equal parts. An interim regulation entered into force in 1951 for the Netherlands, Curaçao, and Suriname, resulting in a providing of a modicum of autonomy and establishing a structure of governance here. The Netherlands Antilles was born in 1951. In 1954, Charter of the Kingdom was enacted, a new constitutional order that would constitute the three autonomous counties of the Netherlands, the Netherlands Antilles, Suriname, and the Netherlands, whilst the Dutch government will remain as a kingdom government and will remain through this reform arrangement with the ultimate power to unilaterally execute kingdom acts and continue with a modernized colonial rule by The Hague. The kingdom charter did not effectuate the UN Charter on Decolonization. The charter was immediately followed by the Constitution of the Netherlands until it was issued in March 1955. The autonomy meant that the islands arranged in the form of a federation, while citizenship, foreign affairs, financial affairs, and defense were left at the discretion of the kingdom as a whole, and thus de facto to be decided by the government of the Hague. The Dutch monarchy was the Antilles represented by a governor who headed the government that has the power to overrule the local parliament or local democracy. With this kingdom charter, the Netherlands in 1955 was absolved and Netherlands Antilles was taken off the list to report to the United Nations non-self-government territory of the General Assemblies. In 1986, the Aruba achieved a separate country status. Due to inequality and distribution of power in Netherlands Antilles, a political system of self-destruction imposed by the Dutch government led to the dissolution of the Netherlands Antilles that entered in force on 10 October 2010. And the former Netherlands Antilles Aruba became two groups of islands. Curaçao, Aruba, and St. Martin, now called the Cass Island, and are so-called semi-autonomous territories in the Dutch kingdom, where the Dutch government acting also as a kingdom government will remain with ultimate power to unilaterally enact kingdom acts upon these Cass Islands. The government of the Cass Islands is headed by an appointed governor that represents and is appointed by the monarchy, the King William Alexander, and that is the head of the state. The caste autonomy is subordinated and is overruled by the governor, and that maintains the power to decide and to destroy laws made by the so-called autonomous caste governments. There is no independent body for appeal on charter dispute, and the Netherlands made the ultimate decision through the Council of Ministers of the Kingdom. On the reforms of 10 October 2010, the caste island so-called autonomy were further reduced, where the judiciary and the fiscal decision-making, policy, public prosecution, maintenance of law will be placed on a kingdom committee in a such Dutch government control. Further, the Cass Islands government budget rights will be reformed and subordinated on an independent administrative Dutch board of financial supervision that are headed by a chairman appointed by the Dutch prime minister and other members by the Council of Ministers of the Kingdom.
making it a total Dutch-controlled body. The Dutch government used the COVID crisis instead of giving aid, gave them loans under threat and blackmailing them, and that extend and are extended in tranches, and with each new tranche, forcing the cast iron to sign agreements to further erasing the so-called autonomy they remained after 10-10-10. This reform entity for the cast island will consist of European Dutch directors appointed by the government of the Netherlands, established and seated in The Hague as a self-governing public entity with special powers to undertake its own project in and far-reaching reform imposed on the cast island in all policy areas that regard the autonomy of these countries. This entity will also be legally authorized to perform investigation of all government industries, agencies, and companies invest in public and private sector companies, supervise the implementation of policies and the operation of a public finance of the three countries, as well as close cooperation agreements with all kingdom, international institutions and agencies without any involvement of the Caribbean countries of the kingdom. This entity may do so without any prior permission or accountability to the government of the three countries or their parliaments. The other three smaller islands, Bonaire, Saba, and Statia, the best islands were illegally annexed. Our people did not choose annexation or integration, as we were integrated against the wishes of our people on unequal rights as public bodies under Article 134 of the Dutch Constitution of the Netherlands, where the Dutch government in The Hague will be direct policy and lawmaker and decision decide from The Hague. The almost non-existent local autonomy on the Bonaire and Sint Eustatia are even further diminished. On Sint Eustatia in 2018, the local democratic elected government is deposed by unilateral indemocratic law from the Dutch government and replaced by a Dutch appointed administrator governor in the shadow. Island Council of 2019 is suspended till further notice. Eventually, an election is permitted by the Dutch government at the end of 2020, and that election, so-called council members, will remain without powers and without a government till today, and is being governed by the governor from the appointed by the Dutch government. On Bonaire, our island, in 2018, similar act was enabled as a local democratic elected government with limited or no powers are further subordinated on a Dutch government appointed entity directed as a program manager that will continue our governing up to date. While the Dutch gain from this annexation of Bonaire, Saba, and Sint Eustatia is an exclusive economic zone of 200 nautical miles of expansionary territory to exploit and enact and enacted immediately the mining law that all minerals are property of the Dutch state with the power to expropriate, extract natural resources such as oil, gas, in addition to the EEZ that is three times bigger than what they have in the North Sea, just for annexation of three small islands. Since then, I abandoned my professional life and career as a banker and become a full-time volunteer human rights activist. One main determined action was where we went into a 24/7 occupied protest at the government bill to force a referendum and only to stop and leave when the referendum was granted after 222 days of consecutive protests. In this referendum of 18 of December 2015, the Bonaire people with 66% no vote rejected the current illegal annexation status that we are in. But this was not respected by the Dutch government. Based on non-respect of our people's vision, right, we embarked on an international trajectory to raise awareness and seek solidarity, commission international investigation and assessment of self-governments, and continue further to form alliances with our Antillean islands and the colonized peoples from the British, the French, the US, and we form a Caribbean Progressive Alliance with we all with the same objective toward decolonization, self-determination, and reparations. To prove that up to date we remain in a colonized territory, our organization, commission, and international investigation, and in our efforts and trajectory to be listed again as a non-self-governing territory under the United Nations General Assembly. That is our mission, our trajectory. In October 2020, the assessment of self-governance sufficiency in conformity with internationally recognized standards conducted and completed by Dr. Khaled Carbon, senior analyst of the Global Dependency Studies
The assessment utilized a specific set of self-governance indicators designed to assess the balance of power between the Netherlands and Bonaire, and to gauge the level of Bonaire political equality in accordance with international standards established for integrated jurisdictions. The assessment determined on the right on self-determination that the process was tantamount to unilateral annexation and violative of the inalienable right of Bonaire to self-determination and counter to the international principle of ex injuria jure non oritur. Unjust acts cannot create law. That is the issue we are in today. On Bonaire, we experience an immigration from the Netherlands. As per the statistic, native Bonaireans in less than 10 years will reduce now only 40% of the population. We become a minority on our own island in 10 years. Meanwhile, the new Dutch immigration have the right to vote within 33 months, a local election and in referendum. A reborn Dutch settler colonialism we're experiencing. We envision Bonaire free of reimposed Dutch colonial rule of 1010. This is necessary in order for our native people to be protected by international treaties and laws. Furthermore, it is a necessity to stop the ongoing eradication of our indigenous peoples and population. We, the native Bonaire, people of Bonaire and our future generations have the right to govern ourselves and determine our own future. Our main objective as the Karima Progressive Alliance, which we are friends with Maurice and others in Guyana, consisting of Bonaire, French Guyana, Cayenne, US Virgin Islands, Puerto Rico, San Andres, Providencia, Saint Eustatius, Curaçao, Saint Martin, Aruba, as all our islands have different dependency arrangements and situation. On a case-by-case basis, we jointly and individually address our decolonization policies on the international stage. As this alliance will be beneficial to our joint efforts, to our organization and constituents that we represent, by a formal structured cooperation in order to maximize the benefits of our endeavors. Thank you for giving us the opportunity to share that the Dutch colonization continued in the Caribbean, and we are the living proof of that. Thank you, Maurice, and success with your conference tonight. Thank you. Any questions later, I'll be glad to answer. Thank you. Thank you, Mr. Fignes. Donc, pour la traduction, donc Hector Pindard. Alors, bonjour à tous. Ça a duré un peu de temps, je vais essayer de raccourcir un peu. On m'entend pas? Oui. Alors, donc, je vais essayer de résumer, puisque j'ai un peu. Alors, pour l'anecdote, on a reçu l'allocution de M. Fignes en avance, donc j'ai traduit l'allocution. Alors, c'est masqué par le masque, donc peut-être que ça... Là, comme ça, c'est mieux? Oui, c'est mieux? Oui, donc pour l'anecdote, on a reçu l'allocution et donc je ne l'ai plus la traduire. Je vais essayer de résumer un petit peu. Donc, merci, bravo. Donc, je me mets à la place de James. Hein. Merci et bravo pour les 30 ans d'existence du MDES. Merci à mon ami Maurice. Et donc, je vais vous parler de la colonisation néerlandaise, les colonies caribéenne cachée des Pays-Bas, 387 ans de modification coloniale hollandaise. La colonisation a commencé en 1634 et ne s'est jamais arrêtée depuis. Ils ne sont jamais partis et nous sommes en 2021. Quelques dates et faits historiques importants. 1619, les Hollandais sont les premiers à déporter des Africains esclavagisés sur le continent américain. 1834, les Hollandais sont les derniers à arrêter la traite des esclaves, et ce, après des abolitions qui se succèdent dans toute l'Europe. 1863-1873, les Pays-Bas sont le dernier pays européen à abolir l'esclavage dans la Caraïbe. La compagnie néerlandaise des Indes,
donc les Indes orientales et occidentales, et à l'époque la société la plus puissante, la plus rentable au monde, avec des revenus 10 fois plus importants que Apple, les revenus maintenant de Apple et Microsoft réunis. Les Hollandais sont connus pour être les colonisateurs les plus cruels. Dès 1619, la Hollande commence le commerce triangulaire. Ils remplacent les Amérindiens de leur colonie par des Africains déportés. Plus récemment, a lieu une réforme constitutionnelle aux Pays-Bas et dans les Indes orientales néerlandaises. En 1942, année à laquelle les Pays-Bas ont signé la Déclaration des Nations Unies. Le royaume, donc ils ont constitué un royaume avec les Pays-Bas, avec Aruba et avec le Suriname. Ils ont constitué des nouveaux pays à l'intérieur de ce royaume qu'ils ont créé. En 1951, un règlement provisoire prend effet pour Curaçao et le Suriname, permettant un minimum d'autonomie et une forme de gouvernance. Ainsi naissent les Antilles néerlandaises. En 1954, la Charte du Royaume est promulguée. C'est un nouveau statut constitutionnel qui comprend les trois pays autonomes, donc la Hollande, les Antilles néerlandaises et le Suriname, dans le même royaume. Un truc qui fait du bruit. Oui. Donc, le statut de ce royaume ne va pas dans le sens de la Charte des Nations Unies sur la décolonisation. Après la Charte, la Constitution des Antilles néerlandaises est promulguée en mars 1955. L'autonomie impliquait que les îles étaient organisées comme une fédération et que les compétences régaliennes, telles que la citoyenneté, les affaires étrangères, l'économie et la défense, étaient laissées à discrétion du royaume dans sa globalité et donc à La Haye. La monarchie hollandaise était représentée dans les îles par un gouverneur, représentant du gouvernement qui a le pouvoir de passer outre les décisions du Parlement local et donc la démocratie. Avec ce statut du royaume, les Pays-Bas ont pu faire retirer les Antilles néerlandaises de la liste des pays à décoloniser vis-à-vis de l'Assemblée générale des Nations unies. En 1986, Aruba obtient un statut d'État autonome. À cause des inégalités de la distribution du pouvoir aux Antilles néerlandaises, un système politique menant droit au mur est imposé par le gouvernement hollandais et a provoqué la dissolution des Antilles néerlandaises. C'est pour ça qu'on entend James qui parle de la fameuse date du 10-10-10, le 10 octobre 2010. Donc les anciennes Antilles néerlandaises et Aruba sont devenues deux groupes d'îles distincts. On a Curaçao, Aruba et Saint-Martin d'un côté, et puis on a Bonaire, Saba et Saint-Eustache de l'autre, avec des statuts différents. Curaçao, Aruba et Saint-Martin sont appelées les îles CAS, Curaçao, Aruba, Saint-Martin. Ce sont des territoires semi-autonomes au sein du royaume des Pays-Bas, avec pour gouvernement le gouvernement hollandais, qui conserve ses pouvoirs notamment de promulguer la législation et les lois du royaume qui s'appliquent donc ces pays, dans ces îles. Le gouvernement de ces îles est supervisé par un gouverneur qui représente et est nommé par le roi Willem Alexander, le roi de Hollande. L'autonomie des CAS est encadrée et quelque peu minée donc par le gouverneur qui conserve le pouvoir de décision et peut annuler les lois décrétées par les soi-disant gouvernements autonomes de ces îles. Il n'y a aucun organe indépendant compétent pour des recours contre cette charte, ce nouveau statut, et les Pays-Bas conservent la décision finale grâce au Conseil des ministres du Royaume. Donc, dans les réformes institutionnelles de ce 10 octobre, la dite autonomie des îles s'est amoindrie. Les décisions sur l'aspect juridique et fiscal, le maintien de l'ordre, l'action publique, le maintien de la loi sont sous le contrôle de la Commission du Royaume et par conséquent sous le contrôle du gouvernement hollandais. De plus, le budget du gouvernement de ces îles est mis à jour et contrôlé par le bureau administratif indépendant néerlandais de la supervision financière, qui est dirigé par un président nommé par le premier ministre hollandais et les autres membres du Conseil des ministres du Royaume. Donc, faisons de lui un organe qui est complètement contrôlé par les Hollandais. Le gouvernement hollandais a utilisé la crise sanitaire aussi en n'apportant pas d'aide, mais en faisant contracter des prêts, pas des financières, mais des prêts, sous la menace et le chantage. Et des prêts qui sont prolongés par tranche, avec à chaque nouvelle tranche une invitation à signer des accords qui réduisent petit à petit et un petit peu plus le peu d'autonomie qu'il reste après cette fameuse réforme. Donc après, il y a une description de cette organisation, cette entité. Donc ce sont les directeurs hollandais européens nommés par le gouvernement des Pays-Bas qui sont donc installés à La Haye dans un organe public indépendant qui peuvent entreprendre leurs propres projets, peuvent imposer des réformes très importantes dans les îles, et ce, dans tous les secteurs qui concernent l'autonomie de ces pays. Cette entité peut ainsi autoriser des enquêtes sur tous les ministères, les agences, les entreprises de ces îles. Elle peut investir dans le secteur privé et public, superviser l'application des mesures et des opérations financières publiques dans ces trois pays. Elle peut aussi conclure des accords de coopération avec toutes les agences et institutions du royaume ou international, donc, sans la participation des pays du dit royaume.
et ceci sans avoir demandé la permission ou sans avoir rendu des comptes au gouvernement de ces trois pays et leur parlement. Ça, c'est ce qui concerne les îles CAS, Curaçao, Aruba et Saint-Martin. Pour ce qui est de Bonaire, Saba et Saint-Eustache, aussi appelées les îles BES, ce sont des territoires qui ont été annexés illégalement. Notre peuple, je parle à la place de James, donc, notre peuple n'a choisi ni l'annexion ni l'intégration. Nous avons été intégrés contre notre volonté dans un statut inégalitaire en tant qu'entité publique, comme une commune des Pays-Bas, conformément à l'article 134 de la Constitution des Pays-Bas, dans un système où le gouvernement hollandais de La Haye décide directement des mesures et des lois de ces pays. L'autonomie locale est quasi inexistante à Bonaire et Saint-Eustache et continue d'être réduite à néant. À Saint-Eustache, en 2018, le gouvernement démocratiquement élu a été destitué par une loi unilatérale et antidémocratique promulguée par le gouvernement hollandais et a été remplacé par un gouverneur administrateur hollandais nommé directement de La Haye. Et un conseil de l'île qui est prévu en 2019 a été suspendu jusqu'à nouvel ordre. Finalement, c'est à la fin de 2020 qu'une élection est permise par le gouvernement hollandais. Des conseillers sont élus, mais sans pouvoir et sans gouvernement. Est toujours contrôlé par ce même gouverneur administrateur nommé par le gouvernement hollandais jusqu'à aujourd'hui. Pour Bonaire, en 2018, une loi similaire a été décrétée avec pour conséquence un gouvernement local élu démocratiquement avec des compétences limitées, voire nulles, et sous la coupe d'une entité gouvernementale hollandaise dirigée par un administrateur qui continue de diriger le pays jusqu'à maintenant. Ce que les Hollandais gagnent avec ces annexions, c'est la zone économique exclusive. 200 000 nautiques à exploiter et qui est intégrée à leur code minier, avec toutes les ressources qui appartiennent à l'État hollandais et qu'il peut extraire, telles que le pétrole et le gaz. Et la zone économique, ce qu'il disait, c'est que ça représente 6 fois ce que les Pays-Bas seuls auraient pu posséder. Depuis, James, donc je parle à sa place, j'ai abandonné ma vie professionnelle et ma carrière de banquier afin de devenir un défenseur des droits de l'homme bénévole et à plein temps. L'une de mes principales actions a été lorsque j'ai occupé le bâtiment du gouvernement 24 heures sur 24 afin de forcer un référendum. Je ne l'ai quitté qu'après avoir obtenu un référendum, après 222 jours de protestation. Lors de ce référendum du 18 décembre 2015, le peuple de Bonaire a rejeté l'occupation illégale avec 66% de votes non. Mais ce vote n'a pas été respecté par le gouvernement hollandais. Sur la base de ce non-respect de la volonté et des droits de notre peuple, nous avons porté notre combat devant les institutions internationales afin de les sensibiliser et trouver une solidarité. Nous avons demandé une enquête internationale et la reconnaissance de notre droit à l'autogouvernance et former des alliances avec les autres îles caribéennes et les peuples colonisés par les Anglais, les Français et les États-Unis. Nous avons aussi créé la CPA, Caribbean Progressive Alliance, donc Alliance progressiste des Caribéennes, avec les objectifs communs de décolonisation, autodétermination et réparation, afin de démontrer que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes un territoire colonisé. Notre organisation a commandé une enquête internationale en ce sens, ainsi que la réinscription sur la liste des pays à décoloniser de l'ONU. En octobre 2020, l'étude sur l'autosuffisance de gouvernance en conformité avec les normes internationales conduites par le docteur Carlyle Corbyn. Cette étude utilise des indicateurs d'autogouvernance spécifiques conçus pour évaluer l'équilibre des puissances entre les Pays-Bas et Bonaire, mais aussi pour mesurer le niveau d'égalité politique à Bonaire, conformément avec les normes internationales établies pour les territoires intégrés. Cette étude, basée sur le droit à l'autodétermination, conclut que le processus d'intégration du départementalisation était équivalent à l'annexion unilatérale en violation des droits inaliénables de Bonaire à l'autodétermination et contre le principe international de ex injuria jus non oritur, donc en latin, c'est-à-dire qu'un droit ne peut pas naître d'un fait illicite. Alors, contre le principe international du fait qu'un droit ne peut pas naître d'un fait illicite. Les actes injustes ne peuvent pas être créateurs de lois, de droits. À Bonaire, nous avons vécu une politique de peuplement de la part des Pays-Bas. 10 ans après, selon les statistiques, les natifs de Bonaire forment maintenant moins de 40% de la population. Et dans le même temps, les nouveaux immigrants hollandais peuvent voter aux élections locales et au référendum après 3 mois dans le pays. En somme, on revit l'installation de colonisateurs hollandais dans notre île. Nous souhaitons que Bonaire soit libéré du joug colonial hollandais, notamment avec cette loi du 10-10-10. 10 octobre 2010. Nous pensons que c'est nécessaire afin que notre peuple soit protégé par les traités et lois internationaux. De plus, il faut que l'éradication des peuples autochtones cesse. Nous, peuples natifs de Bonaire et nos futures générations, avons le droit de nous gouverner nous-mêmes et de prendre en main notre avenir. Le CPA, Caribbean Progressive Alliance, donc il comprend Bonaire, la Guyane, les îles Vierges, Porto Rico, San Andrés, Providencia et Santa Catalana, qui sont des îles colombiennes, Saint-Eustache, Curaçao, Saint-Martin, Aruba, etc.
Nous sommes tous des territoires dans des situations de dépendance, bien qu'ils aient des degrés différents. Notre objectif est de porter au niveau des institutions internationales, ensemble et individuellement, notre volonté de décolonisation. Cette alliance ne peut être que bénéfique afin d'œuvrer ensemble avec les organisations et entités que nous représentons, afin de créer une véritable plateforme de coopération et capitaliser sur nos efforts. Merci à vous pour l'opportunité de partager sur la problématique de la colonisation néerlandaise dans la Caraïbe. Merci de votre attention. Thank you, Mr. Fignes. Merci, Hector, pour la traduction. Alors, visiblement, toujours le même souci technique pour Monsieur Malsa. Donc, on continue notre tour du monde. Donc, après la Guadeloupe, Bonaire. Donc, maintenant, nous partons en Polynésie. Monsieur le député, bonsoir. Pareil, il faut... Voilà. Merci pour la vidéo. Activez, s'il vous plaît, votre micro. Irana. Parfait. Si vous m'entendez. Oui, on vous entend très bien. C'est à vous. Bien. Ben, tout d'abord, merci beaucoup de cette invitation à partager avec vous sur les problématiques de colonisation et de décolonisation dans nos pays respectifs. Je vais essayer de vous décrire un peu le contexte colonial aujourd'hui française, qui s'est appelée autrefois les établissements français d'outre-mer, et qui nous appelons Maorinui, donc le pays des Maoris. Donc, dans les... Au temps des découvreurs, et je vais mettre ça évidemment entre de nombreux guillemets, puisqu'ils n'ont rien découvert, ils ont été accueillis par nos ancêtres. Donc dans les années 17 et quelques, donc les premiers découvreurs arrivent chez nous, d'abord les Anglais, ensuite les Français. Va s'en suivre une espèce de lutte d'influence de grandes puissances pour. Finalement, s'assurer la conquête donc de ce pays qui est grand comme l'Europe. Hein. Il faut toujours se le rappeler, c'est 5 millions de kilomètres carrés. C'est du nord au sud, équivalent d'un Stockholm-Sicile. Donc, c'est un grand pays d'océan. Donc, cette lutte d'influence va se superposer donc, à la fois politiquement et religieusement. Les Anglais sont arrivés avec London Missionary Society, l'église protestante. Les Français, eux, sont arrivés donc, avec les frères du Picpus et l'église catholique. Et ce qui explique qu'aujourd'hui, ces deux religions, les deux principales religions qu'on trouve chez nous, dans l'ordre d'arrivée, donc, la religion protestante est la première religion en Polynésie française et donc, la religion catholique. Avec depuis d'autres qui les ont rejoints. Donc, d'abord un acte de protectorat qui est déclaré unilatéralement par la France et pour finalement aboutir assez rapidement en 1789. C'est un peu ironique puisque c'est au même moment où la France fait sa révolution pour plus de démocratie que ailleurs dans le monde, elle continue de conquérir et de coloniser. Donc le 29 juin, nous sommes purement et simplement par la France. Et donc c'est le début réellement de la colonisation chez nous, avec très rapidement la mise à l'écart de toutes les anciennes structures de la société polynésienne, la mise à l'écart des anciens pouvoirs, on va dire, des chefs, des rois, mais également des tribunaux polynésiens qui géraient, on va dire, la question de la justice et de la loi jusque-là, l'imposition très rapidement du,
du code civil pour pouvoir dire, procéder à l'accaparement et à spoliation foncière chez nous. Donc aujourd'hui, situation très très compliquée au niveau du foncier, mais je pense que c'est un point qui est beaucoup de des colonies françaises. Cette imposition du code civil, un mode de vie, un type de société qui était complètement différent de la société française. Donc, nous avons ensuite connu l'époque des gouverneurs là, qui se sont succédés chez nous, avec tout de même, il faut rappeler que tout ça ne s'est pas fait de manière consensuelle dans la joie et la bonne humeur. Hein. Il y a eu des guerres ici, alors avec évidemment un déséquilibre complet entre d'un côté les Français d'armes modernes, de fusils, et de l'autre côté, ben, nos ancêtres qui n'avaient que des casse-têtes. Donc, il y a eu malgré tout donc, de nombreux combats, une guerre qui a duré quelques années, à l'issue de laquelle la plupart de ceux que les Français appelaient les rebelles, mais que nous appelons les résistants, mais ont dû battre en retraite et ont été pour la plupart avec là un parallèle et un croisement de destin assez assez ironique entre donc les deux des colonies françaises du Pacifique, Calédonie, Kanaky, et nous-mêmes, puisque la plupart des rebelles résistants maori et exilés Kanaky, et inversement les rebelles en Kanak était arrivé chez nous, particulièrement vers les Marquises. En 1958, donc les choses évoluent puisqu'il y a le référendum de 58 sur l'adoption de la constitution de la Ve République. Ce référendum est considéré par la France comme l'acceptation finalement de par les Polynésiens. Du fait de alors c'est un mensonge comme quoi la question des référendums et du biais qu'on peut leur faire adopter pas nouvelle au niveau de l'État français, puisqu'il faut quand même se rappeler que le référendum de 58, c'est une population polynésienne qui ne parle que très peu. Alors que la question, elle, est rédigée en français, que toute l'information autour de ce référendum est faite en français, et qu'au final, la question qui est posée n'est pas celle de savoir si on veut l'indépendance ou pas. La question qui est posée aux Polynésiens, c'est est-ce que vous êtes d'accord avec la constitution de la Ve République qui vous est proposée. Il faut se remettre dans le contexte. Pour les Polynésiens, même ceux attachés à leur indépendance, De Gaulle était considéré comme un héros à ce moment-là, puisqu'il avait libéré la France. C'était une personnalité emblématique et beaucoup de gens, même Povana, qui est le père du nationalisme haïtien, disaient d'un côté non au référendum, oui à De Gaulle. Vous voyez dans quel contexte un peu particulier ce référendum s'est déroulé. Une absence d'accès aux médias total pour les partisans du non et évidemment toute la propagande d'État au service du oui. Donc ça a été notre première et pour l'instant notre seule expérience de référendum en Polynésie. Autant vous dire qu'on est très très suspicieux vis-à-vis des processus de ce type. L'exemple de ce qui vient de se dérouler en Kanaky vient encore renforcer cette suspicion, puisqu'on voit bien avec quel dédain, avec quelle condescendance et avec quel irrespect finalement l'État français a quand même poursuivi et a maintenu donc cette date du 12 décembre. Ensuite, considérer les résultats de cette mascarade.
comme un succès pour le nom, ce qui est évidemment une vaste victoire. Alors, chez nous, évidemment, le combat pour l'indépendance, le combat pour la souveraineté, s'est longtemps superposé au combat antinucléaire. Vous savez que nous étions, comme Canada, comme quasiment tous les autres territoires, enfin, les autres colonies françaises, nous étions inscrits sur la première liste des territoires à décoloniser des Nations Unies. Et en 1946, un an après la création des Nations Unies, et hasard de l'histoire, vous me direz, nous avons été retirés donc, de manière unilatérale de cette liste, et je voudrais dire illégale, en 1963, donc la même année où le centre d'expérimentation du Pacifique, donc qui allait occuper des essais nucléaires pendant 30 ans chez nous, s'installe. Donc c'est très clairement une volonté de la France de nous soustraire à cette liste de manière à ce que les Nations Unies ne puissent pas venir interférer avec les essais nucléaires donc, qui allaient démarrer en 1960. Le premier tir Aldébaran. Alors, donc, je vous disais que la lutte pour l'indépendance s'est, pendant toutes ces années, superposée contre les essais nucléaires, et c'est ainsi qu'en 1977, donc, le Tawini Huilatira, Motéo Maori, est créé par son fondateur, qui en est toujours le président et le leader, Oscar Manuteite Maru. C'est dès l'année suivante, en 1978, grâce à nos amis, à nos frères Kanak, et notamment donc à M. Pidjo, qui était premier député Kanak à l'époque, que Oscar Temaru a pu se rendre avec une délégation Kanak à New York, aux Nations Unies, pour pouvoir exposer donc, les ramifications de la Polynésie, avec d'une part le soutien des Nations Unies contre les essais nucléaires et d'autre part également le soutien des Nations Unies pour le combat pour la souveraineté. C'est donc ce jour-là que Oscar Temaru a appris d'une part l'existence des pays, des territoires à décoloniser. Évidemment, la France était bien gardée de nous dire que ça existait. A découvert également qu'on était on figurait sur cette liste et qu'on en avait été retiré. Donc ça a été une journée un peu particulière pour lui, et à partir de là, il n'a eu de cesse. Il s'est fixé comme objectif donc, notre retour sur cette liste avec nos frères de Kanaki. Donc ça a pu être fait pour Kanaki avant nous, et pour ce qui nous a dû attendre donc, le 17 mai 2013, donc, vous voyez, entre 1978 et 2013, il a fallu donc, toute l'intention et le courage d'un homme, Oscar Andri Temaru, qui n'a eu de cesse que de Pacifique, de parcourir pour recueillir des soutiens. Et donc, le 17 mai 2013, nous avons été réinscrits sur cette liste. Alors, qu'est-ce que cette réinscription apporte? Qu'est-ce qu'elle n'apporte pas? Évidemment, ce n'est pas le bout du chemin, c'est, je dirais même, plutôt le début, hein, le début du chemin pour une réelle décolonisation. Puisqu'avant d'être réinscrit sur cette liste, nous étions enfermés dans un schéma de discussion bilatéral et par essence déséquilibré et asymétrique. On ne peut pas, nous, peuple de 280 000 habitants, on va dire, on ne peut pas discuter d'égal à égal avec l'État français et toute sa force de frappe. Il faut un arbitre au milieu, il faut un processus qui soit équilibré. Et c'est ce que doit permettre justement cette réinscription sur cette liste des territoires à décoloniser. Je dirais pour ceux qui veulent prendre ce chemin, qui a été donc celui de Kanaki, qui a été le nôtre donc, en 2013, qu'il faut prendre le soin de bien communiquer. C'est peut-être une des lacunes que nous avons été confrontés, c'est-à-dire que nous, les opposants
au processus de décolonisation vont, pour ceux d'entre vous qui veulent prendre ce chemin, vont avoir un axe de communication assez simple, mais relativement efficace, qui est de dire, mais que va vous apporter au quotidien cette réinscription? Est-ce que ça va créer de l'emploi? Est-ce que ça va vous donner des logements? Est-ce que ça va faire baisser le prix du pain? Et ça, c'est pas évident d'expliquer aux gens que non, c'est pas ça qui va faire baisser le prix du pain, évidemment, c'est pas l'objet de la réinscription, mais qu'il faut voir beaucoup plus loin que ça, qu'il faut voir le processus qui doit être mis en place derrière cette réinscription. Donc nous, aujourd'hui, nous sommes à ce... on va dire à un stade un peu particulier, puisque comme pour Kanaky dans les premières années, la France campe dans une posture de déni de cette inscription, qui est complètement absurde et schizophrénique. D'un côté, vous avez Kanaky, qui a été réinscrit dans les mêmes conditions, on va dire, légales et administratives que nous, et où il y a donc une reconnaissance de cette réinscription. Il y a eu l'engagement dans le processus qui a mené au référendum. Et de notre côté, donc, il y a ce déni de l'État français. Mais nous sommes confiants, nous pensons que cette posture n'est pas tenable pour l'État français et que dans les mois et les années qui viennent, il y aura ce dialogue qui va devoir s'engager et la mise en place d'un processus. Alors, sur ce processus, j'insiste, je pense qu'il n'y a pas deux processus de décolonisation identiques. Je crois que chaque colonie, chaque ancienne colonie, chaque territoire, chaque pays qui veut s'engager dans une décolonisation doit trouver son chemin, doit le construire. Les contextes ne sont pas les mêmes, les sociétés sont différentes, les histoires, même si on a en commun le même colonisateur, les histoires sont quand même différentes, et donc il faut, je pense, des processus spécifiques à chaque fois. Ce qui a été fait pour la Nouvelle-Calédonie ne peut pas être transposé à l'identique pour Maori-Nui et pour les autres outre-mer français qui veulent s'émanciper. Voilà ce que je peux vous dire pour ce qui concerne Maori-Nui. Et je vous remercie encore une fois de m'avoir permis donc d'échanger avec vous. Et je vais essayer, malgré l'heure tardive, puisqu'il est bientôt minuit ici à Paris, de rester encore un peu avec vous pour les éventuelles questions. Maruru. Merci, monsieur le député. Effectivement, vous n'êtes pas en Polynésie, mais actuellement, vous êtes sur Paris. Donc, merci beaucoup pour votre présence. Alors, sans plus attendre, nous donnons la parole à la Kanaky, donc au représentant du FLNKS. La parole vous est donnée. Il faut désactiver votre micro, s'il vous plaît. Bah, pardon. Activer plutôt. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à Maurice. Bonjour à Luc. Bonjour à tous les camarades de là-bas, de Guyane, des Antilles. Alors, je suis en présence de notre chargé de communication de notre mouvement, le FLNKS. De Marguerite Martin et de Madame Laurie Oumouni. Ce sont deux femmes actives dans le combat de notre lutte ici. Donc, Madame Oumouni, elle est là-bas au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, donc je suis de là-bas. Elle est collaboratrice de M. Forrest, dont vous connaissez, qui notre... ministre chargé des relations extérieures. Donc, comme vous savez, il y a le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
est composé maintenant majoritairement d'indépendantistes. Donc, il y a 6 ministres sur 11 qui sont indépendantistes. Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie est présidé par M. Rokwamitan et aussi indépendantiste. Deux provinces sur trois sont dirigées par des indépendantistes. Voilà un peu la situation institutionnelle ici, en Kanaky. Donc, comme vous voyez, au bout de 30 ans de lutte, maintenant institutionnelle, hein, depuis les accords de Matignon d'abord, signé en 88, les accords de Nouméa signés en 98, vous avez vu que nous avons progressé au niveau de la lutte institutionnelle. Donc, comme vous savez qu'il y a eu 3 référendums, le premier en 2018, on nous donnait 30% de oui pour l'indépendance, ce qui est le chiffre qu'on a eu en 2018 a été de 43% pour le oui, alors qu'on nous donnait 30% pour le oui. En 2020, on a eu 47% pour le oui, et nous comptons normalement gagner ce référendum en 2021, puisqu'il nous faudrait 3 points de plus pour avoir les 50%. C'est faisable parce que nous avons encore 25 000 abstentionnistes sur 183 000 personnes inscrites. Les abstentionnistes, ce sont surtout dans la province Nord, 5 000. Dans la province des îles, à peu près pareil, 5 000. Et dans la province Sud, à peu près 15 000 personnes en province. Donc, l'électorat indépendantiste, dans le Nord, dans les îles et ici à Nouméa, elle existe. Il faut qu'on aille le chercher. Donc, depuis au début de cette année, on a mis tout le paquet pour gagner ce référendum. On s'est regroupé au sein du Front indépendantiste, le FLNKS. On a associé les syndicats. On a associé les forces vives du pays, à savoir les églises, les églises protestantes qui nous soutiennent dans la revendication. Et on a associé tout le monde pour que tout le monde se mette en ligne pour la consultation. Donc, malheureusement, le Covid s'est invité. Oui, on va suivre. Oui, certain. Là, il sortit à présent. Là. Bon, présent. Ouais. Malheureusement, le Covid s'est invité. Donc, à présent, moi. Attends. Comme vous savez. Est-ce que vous m'entendez? J'ai désactivé son micro. Qui le vient? Ouais. Vous m'entendez? Oui, mais là, je vois de M. Dumalsa. J'entends, oui. Il était très attendu et voilà, le voici. Alors, M. Dumalsa, ce qu'on vous propose, vu que là, voilà, il y a un intervenant actuellement pour la Kanaky, donc on le laisse terminer et après on vous donnera. J'écoute le frère Kanak, je coupe le micro. Voilà. Non.
Donc, ben, malheureusement, le COVID s'est invité, comme vous savez, sur 280 personnes, plus de la moitié de nos gens, des Kanaks, ils ont été touchés par la maladie et sont décédés. Donc, on ne pouvait pas aller faire campagne partout dans les tribus, parce que, comme vous savez, dans nos tribus, dans nos villages et dans le quartier ici de Nouméa, dans nos tribus, on est à peu près, en 2020-2018, on avait quitté 331 tribus pour faire la campagne. C'est-à-dire que la campagne pour nous, ce n'est pas sur Visio, ce n'est pas sur Facebook. Il faut qu'on aille voir nos populations. Il faut qu'on aille voir les gens de chez nous pour dire exactement c'est quoi le sens de notre combat et le projet qu'on porte pour notre pays. Donc, malheureusement, le COVID s'est invité, on n'a pas pu faire ça. Donc, on a demandé simplement de reporter le référendum parce qu'on ne pouvait pas faire la campagne auprès de nos populations. Parce que pour parler à nos populations, ils ont besoin de nous voir. Ils ont besoin de nous voir. Les jeunes, peut-être qu'ils sont sur les réseaux sociaux, mais nos populations, dans des combats comme celui-là, ils ont besoin de nous voir parce qu'ils veulent poser des questions directement à nous. Donc, c'est pour ça qu'on a demandé à l'État de reporter ce scrutin. Malheureusement, l'État n'a pas voulu nous écouter parce qu'il sait très bien que nous, on ne peut pas faire de campagne. Il sait très bien que si on fait campagne, on doit gagner ce référendum parce qu'il ne nous manque plus que 3 points sur les 184 343 inscrits. Il nous manque 3 points. 3 points de 47% à 50%, il nous manque 3 points. Sur 1000, je disais, il y a combien de chiffres qui sont 184 344 inscrits, il faut 1843 voix pour avoir un point. Donc, si on fait 6 000 voix, on a plus de 50%. Donc, c'est pour ça que l'État s'est empressé à tout prix. Comme ils ont vu qu'on a augmenté en taux et en chiffres pour le oui, il a tout bloqué. Malgré notre demande de report, malgré la demande de report du Sénat coutumier, malgré la demande de report de l'Église protestante de Kanaky-Nouvelle-Calédonie, mais l'État a maintenu quand même cette date. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a simplement dit que ben, on ne participe pas. Et puis, on va faire, on n'a pas fait de campagne pour la non-participation. On ne pouvait pas le faire. Donc, on est parti voir nos responsables, simplement, dans chaque région, dans chaque île, avec des consignes précises pour dire à nos gens de ne pas y aller voter. L'État a maintenu parce qu'il a su, il croit comprendre que nous, on va gagner. L'affaire des sous-marins est venue après nous empoisonner
Parce que la France, comme il a perdu le contrat des sous-marins avec les Australiens, du coup, la France a vu que les États-Unis, l'Australie, les anglophones, ben, ils ont la mainmise sur le Pacifique. Et que la France, s'ils perdaient la Calédonie, ben, ils auraient plus la mainmise sur le Pacifique. Ils perdraient tout ici dans le Pacifique. C'est le porte-avions de la France, la Nouvelle-Calédonie. Et c'est pour ça que vous avez vu que l'État et le ministre de l'Outre-mer s'est empressé. S'est empressé. Ils ont tout fait pour que la date soit maintenue le 12, alors qu'on réclamait simplement le report de la consultation, le report de ce scrutin. Donc, on est allé voir nos gens pour leur dire qu'on ne participe pas, puis on verra ce qu'on verra. Et le résultat, vous connaissez, hein, c'est en 2018, on a eu 80% de taux de participation. 2018. En 2020, 85% de taux de participation, parce que nous y étions. Et là, du coup, le taux de participation, il est tombé à 43%. 43% du taux de participation. 44% de la population. Donc, ben, majoritairement, les Kanaks ne sont pas allés voter. Les indépendantistes, en général, ne sont pas allés voter. Et vous avez ce résultat de taux de participation de 43,9%, contrairement au référendum précédent où on était à 85%. Donc voilà, et nous, on a considéré que la consigne, malgré le fait qu'on n'a pas pu faire campagne, mais les gens à nous nous en suivent. Nous en suivent. Donc, on pourrait croire que les tenants du non à l'indépendance, comme ils étaient tout seuls à les faire campagne, ils pourraient faire mieux. Ben non, justement. Ils étaient tout seuls dans la campagne. Ils ont le boulevard devant eux pour faire la campagne. Ils ont même fait des petits spots à caractère raciste pour gagner ce référendum. Par des spots infantilisants envers les populations locales, Kanak et Océaniennes en général, pour dire que c'est un peu des démurés, des enfants. Ils ont mené des campagnes, ils ont l'habitude de mener des campagnes un peu à leur façon à eux. Eux, ils ont leurs moyens de... Ils ont leur, c'est beaucoup les gens de Nouméa qui ont voté parce que c'est la capitale. Et c'est beaucoup, le monde européen, il est ici à Nouméa. Et c'est beaucoup eux qui s'est déplacé pour aller voter. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup de ces gens-là se sont beaucoup déplacés parce que c'est la capitale. Et ils ont besoin d'affirmer leur présence ici. Donc, je disais qu'ils avaient le boulevard devant eux pour faire campagne. Ils avaient tout les appareils de l'État, vous avez la commission de contrôle, contrôler les listes, vous avez les délégués, vous avez tout leur propagande électorale, les affiches, tout ça, ils avaient avec eux, ils avaient la télé NC Première, ou ils ont la radio, ils ont tout ça avec eux. Donc, on les a laissés faire campagne. Nous, on n'a pas fait de campagne.
Nous, on a simplement dit à nos gens de respecter la consigne du FLNKS pour pouvoir contester après, contester le résultat de ce référendum. Donc, les résultats sont là. On ne reconnaît pas ces résultats. C'est pas conforme à l'accord de Nouméa. L'accord de Nouméa a dit que s'il faut un référendum, il faut que tous les partis concernés soient dans la campagne. Malheureusement, il y a un camp qui n'est pas dans la campagne. C'est pour ça que on conteste ces résultats et que le ministre des Outre-mer qui a annoncé qu'au lendemain du 12, il viendrait ici, et il est venu d'ailleurs, il est ici, pour dire qu'il veut renouer les discussions avec nous pour discuter du futur statut ou d'une phase de transition. Il est venu ici, on ne l'a pas reçu et il est reparti. Donc nous, simplement, ce qu'on a dit au sein de notre mouvement, les partis respectifs que compose le FLNKS, on a dit simplement que le calendrier de Paris, ce n'est pas notre calendrier. On va faire notre congrès, chaque parti fera son congrès, le FLNKS fera son congrès. On invitera tout le monde, ceux qui étaient avec nous au départ, les forces vives, les syndicats, tout ça, ceux qui n'étaient pas avec nous, de venir ensemble pour regarder qu'est-ce qu'on fait ensemble. Là, tout le monde est parti pour les élections présidentielles. Donc, on a dit qu'on n'y allait pas discuter avec l'État. Et on attendra les élections présidentielles, les législatives, le futur gouvernement, pour dire exactement c'est quoi qu'ils veulent de nous. Ils veulent discuter avec nous. Ben, nous, on dit simplement que s'ils veulent discuter avec nous, il faut qu'on termine le processus de décolonisation qu'on a initié depuis maintenant 30 ans pour qu'on décide de l'accès de notre pays à l'indépendance. Voilà, en résumé, je n'ai pas préparé du papier, mais c'est simplement pour dire un peu ce qui s'est passé ici. Et comme vous avez vu, il y a 2000 militaires qui sont venus ici. 2000 militaires en plus, les forces de l'ordre, la gendarmerie, sont venus ici pour quadriller le pays, pour que le référendum, le scrutin se passe bien ce dimanche 12 décembre. Donc, nous, nos populations, la jeunesse a respecté les consignes. Et puis, le pays maintenant, on va préparer tout doucement nos différents congrès pour pouvoir aborder après la suite que nos différents congrès décideront qu'est-ce qu'on peut envisager pour la suite. Parce qu'on a considéré que ce troisième référendum, c'est pas un véritable référendum, c'est un référendum qui a été imposé par la France pour les Français ici. Et ce n'est pas pour nous. C'est un référendum entre Français. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Ouassissi. Tout de suite, nous allons donner la parole à Monsieur Malsa et après, nous ouvrirons les questions réponses. Malsa, c'est à vous. Merci. L'épreuve de frustration pour moi est passée parce que j'étais
vous vous en doutez, très frustré de voir que je ne pouvais pas intervenir, mais j'ai écouté sagement les frères qui ont exposé la situation dans leurs pays respectifs, de pays colonisés. Je salue la belle et forte initiative du MDS pour avoir mis en relation ces pays encore colonisés par la France. Il s'agit pratiquement des derniers pays encore colonisés de la planète. La situation en Martinique est pratiquement similaire à ce qui a été décrit par le frère Luc. Et aussi, ça ressemble et presque point par point à ce qui se passe en Guyane. Et c'est un peu et la même situation que nous allons rencontrer et dans tous les pays colonisés par la France. En Martinique, du point de vue institutionnel, nous avons depuis 2015 ce qu'on appelle un remodelage administratif, puisqu'il y a une collectivité territoriale de Martinique. Cette collectivité territoriale de Martinique rassemble tout simplement ce qui existait au Conseil général et ce qui existait au Conseil régional, ni plus ni moins. Il y a aucun changement du point de vue statutaire. Nous sommes toujours colonie française. Nous sommes colonisés économiquement. Nous sommes piétinés militairement et socialement. Eh bien, nous sommes accablés et accablés de dettes puisque nos population et particulièrement nos jeunes souffrent énormément. Je ne vais pas faire de comparaison entre ce qui existe en France et ce qui existe en Martinique, là n'est pas le problème. Mais je veux dire que depuis pratiquement 2003, la Martinique et la Guadeloupe et la Guyane ne sont plus considérés comme des pays ayant chacun un peuple. Nous sommes des populations. La Martinique est une population. La France a pris soin de découdre avec la Constitution de 1958 qui prévoyait effectivement qu'il y avait des peuples dans les différents départements. Et maintenant, nous sommes des populations, ça veut dire que nous sommes totalement intégrés au peuple français, ni plus ni moins. Et de ce point de vue, nous ne pouvons pas faire la démarche d'aller d'emblée nous inscrire en tant que pays à décoloniser. Ça, c'est un point très, très important. Alors, depuis pratiquement 2 ans, 3 ans, il y a une vague très forte de conscientisation menée plus particulièrement par des jeunes Martiniquais qui s'associent fortement à la dynamique indépendantiste, à la dynamique souverainiste que leurs aînés avait mis en place depuis et très longtemps. Nous étions un petit peu fatigués, un petit peu déçus, et nous ne voyons pas comment et percer correctement lorsque nous avons observé à travers certains mouvements
anti-chlordécone, il y a eu et le mouvement anti-nucléaire en Polynésie, mais en Martinique, comme en Guadeloupe, il y a le mouvement anti-chlordécone. C'est un mouvement très, très fort parce qu'effectivement, les jeunes prennent à bras le corps la souffrance et les misères de leurs aînés pour dire que ça ne peut plus durer. Ce qui s'est passé avec le chlordécone qui a fait en sorte que le peuple martiniquais soit contaminé à 90% par le chlordécone, ce qui a engendré des formes de cancer de tous ordres dans le peuple martiniquais et dans, pratiquement dans toutes les familles martiniquaises. On parle du cancer de la prostate en Martinique et en Guadeloupe, mais il y a d'autres formes de cancer, toutes les autres formes de cancer, du cerveau jusqu'à l'orteil. Il y a effectivement les différentes formes de cancer qui sont beaucoup plus et représentées que dans les autres pays, et particulièrement si on compare aux autres pays et aux autres et populations de France. Alors, donc, il y a eu une dynamique enclenchée avec ce mouvement anti-chlordécone qui a débouché sur ce qu'on appelle et le déboulonnage par un certain nombre de jeunes qui déboulonnaient les statues, qui faisaient tomber les statues. Ça a eu fait le tour du monde, je ne vais pas revenir là-dessus. Et ça, effectivement, a eu un écho très favorable. Mais ceci étant, on observe depuis et une conscientisation très forte. Mais cette conscientisation très, très forte n'est pas galvanisée en lionnage, comme on dit chez nous, pour faire plier le colonialisme français. Puisque nous observons qu'il y a toujours des divergences au sein des différents mouvements indépendantistes, et même à l'intérieur même des mouvements syndicalistes que l'on voit pour l'instant en Martinique depuis ces ans derniers contre tout ce qu'on appelle le non à l'obligation vaccinale pour faire en sorte qu'effectivement nous soyons respectés en tant qu'êtres humains, respectés sur le point de notre liberté, respectés sur le plan de notre dignité. Eh bien, tout ceci qui est très, 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 très dynamisé à l'intérieur des populations martiniquaises, n'est pas encore cristallisé pour faire en sorte qu'il y ait un mouvement global de fond qui puisse obliger le colonialisme français à plier. Ceci étant, nous avons bon espoir, puisque nous observons ce qui se passe en dehors de nous, dans la Caraïbe, à Barbade, nous avons observé que et dernièrement, l'État barbadien est devenu un État totalement souverain et s'est séparé totalement du Royaume-Uni. Et nous observons d'autres mouvements qui se passent dans la Caraïbe et pas loin de nous encore au niveau du Venezuela, quand on en pense. Vous savez qu'il y a encore 2 ans et même moins, l'État français et tous les États européens voulaient faire plier le gouvernement vénézuélien pour faire en sorte que, eh bien, qu'il y ait une mainmise sur l'ensemble du continent américain par les États-Unis et par l'Europe. Eh bien, il y a une résistance très forte de l'État bolivarien et cette résistance très forte a fait plier et les États européens. Et je pense qu'effectivement, de ce point de vue, nous devons remercier tous les frères, toutes les sœurs qui mènent ce combat au niveau de la Caraïbe. Et au niveau de la Kanaky, nous venons de voir ce que le frère a dit tout à l'heure, et ce qui nous donne espoir. Cela nous donne espoir parce que nous observons par ailleurs que les États européens, plus particulièrement la France, sont complètement en déclin. Alors, ils sont en déclin et c'est pourquoi ils se rabattent à fond sur
pour en ce qui concerne la France sur les dernières colonies. D'ailleurs, j'ai entendu l'intervention d'un des ministres à l'époque de Chirac qui disait perdre la Nouvelle-Calédonie, perdre les Antilles, perdre la Polynésie et perdre la Guyane, la France ne serait plus la France. Parce qu'effectivement, ils disent de façon très claire, c'est grâce à ces colonies que la France a cet empire qu'elle promène avec elle un peu partout et dans le monde. L'empire qui lui donne une biodiversité exceptionnelle, l'empire qui nous donne une ouverture vers les océans et très forte, et qui fait que cette France-là, elle devient, du point de vue et la puissance océanique, la deuxième, sinon la première puissance océanique. Donc, tous ces éléments font qu'aujourd'hui, il nous faut comprendre que pour réussir le combat contre la décolonisation et la souveraineté, il faut absolument que tous les pays encore colonisés par la France arrivent à lier leurs énergies, lier leurs forces, leurs luttes, pour pouvoir faire en sorte que la France entende, petit, c'est pas d'une seule voix, mais d'une seule force, la dynamique qui va nous emmener vers la décolonisation. Il ne peut pas, de notre point de vue, et que nous arrivions à la décolonisation, nous observons bien ce qui s'est passé et pour le troisième référendum de la Kanaky, comment c'était particulièrement dur, comment la France a cette possibilité de ruser avec l'histoire. Donc, il nous faut non seulement être très diplomate, mais il faut être constructif en laissant de côté ce que nous vivons très, beaucoup en Martinique, nos égos, pour pouvoir construire ensemble, pour pouvoir rassembler ensemble. Et c'est en ce sens que ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie est remarquable, parce que ils ont une ouverture très large, ils discutent avec eux, y compris les églises, y compris les différentes églises, pour permettre un bon cheminement de la décolonisation et de la souveraineté. Je crois que c'est dans cette voie que nous devons aller, même si, comme nous l'a fait remarquer le camarade de la Nouvelle Polynésie, nous n'avons pas la même histoire, nous n'avons pas toujours les mêmes luttes, nous ne pouvons pas avoir les mêmes luttes, nous ne pouvons pas toujours avoir le même cheminement, mais nous pouvons conjuguer nos forces et nos énergies pour mener le combat de la décolonisation de la souveraineté ensemble contre l'ennemi commun que nous avons, qui est la France. Parce que nous avons un ennemi commun qui est la France et il faut absolument faire ce choix-là. Donc, notre vision aujourd'hui, c'est cette vision de l'indépendance souveraineté. C'est le projet de regrouper ensemble les luttes que nous avons menées et que nous continuons de mener ensemble pour pouvoir faire effectivement des éléments comparatifs pour avancer ensemble, pour faire plier l'État français. Mais nous devons nous rappeler une chose fondamentale que disait Fanon dans les damnés de la mer, dans les damnés de la terre. Puisque nous sommes dans l'anniversaire du 60e anniversaire de la mort de Fanon. Fanon disait que il ne peut pas y avoir de décolonisation et de souveraineté sans réparation. Donc j'interpelle les frères de tous les pays colonisés pour que dans notre cheminement, que nous inscrivions très fortement cette question de réparation. D'ailleurs, nous disons que cette question, elle est consubstantielle de la décolonisation de la souveraineté. Parce que la France ne doit pas quitter nos pays, elle ne doit pas partir de nos pays sans réparer,
Cette réparation, elle est morale. Cette réparation, elle est d'ordre spirituel. Mais cette réparation, elle est d'ordre financier. Elle est d'ordre matériel. Et le camarade de la Polynésie a posé le problème de la terre. Il faut absolument que cette question soit très clairement posée dans toutes nos démarches de décolonisation. Voilà ce que je pouvais dire en quelques minutes. Et je remercie une fois de plus cet échange. Et je salue l'initiative du MDS et je remercie tous les frères et de Guadeloupe, de la Polynésie, de Bonaire, de la Kanaky et bien sûr de la Guyane pour leur exposé et qui nous a enrichi, en tout cas qui m'a enrichi énormément. Merci. Merci. Merci, Monsieur Malsa. Donc, quelques mots, Maurice. Oui, déjà, c'est pour remercier tous les participants à cette conférence. Il y en a déjà qui nous ont quittés. James a dit good night. Il s'est déjà échappé. Il a demandé le nom des intervenants, mais c'est là toujours. James, thank you for your intention, for your participation in this meeting. Thank you. Thank you. Yes. Thank you, Maurice. Thank you all. Congrats from the French. Francis for you. On the pen. Yes, thank you. Okay. Donc, je voudrais aussi remercier les autres personnes qui ont participé. Donc, au niveau de la Nouvelle-Calédonie, les camarades de la Nouvelle-Calédonie du FLNKS, les camarades de Polynésie et de Martinique et de Guadeloupe. Alors, comme on a déjà empiété sur le temps, donc, je passe la parole à Réline pour les quelques questions que vous voudriez poser à ces personnes. Et après, n'oubliez pas qu'on fait un débat entre nous. La visioconférence s'arrête et on fait un débat entre nous. Mais d'abord, s'il y a des questions pour les personnes qui sont là, que ce soit pour Bonaire, pour les autres colonies qui sont là. Donc, du coup, citez au moins le pays pour qu'ils comprennent que vous vous adressez à eux. N'hésitez pas, vraiment, parce qu'il y a le décalage. Voilà, merci. C'est une question à l'attention de M. Brotterson. Tu m'entends? Je vous écoute. M. Brotterson, bonjour, Yolana. C'est à propos du processus de décolonisation. Vous avez indiqué que la Polynésie a été réinscrite sur la liste des pays à décoloniser le 17 mai 2013. Et depuis, dans le cadre de ce processus, il y a une commission du comité de décolonisation qui se rend en Polynésie. Je ne sais pas selon quelle périodicité, si c'est tous les 2 ans. Et je crois savoir qu'ils viennent pour apprécier un certain nombre de critères que la France doit satisfaire pour fixés d'ailleurs par l'ONU, pour faire sortir la Polynésie de la liste ou encore conforter les critères. Ça, c'est la première question. Donc, ma première question, donc, c'est quels sont les critères qui sont sur la table quand cette délégation vient en Polynésie. Et la deuxième question, vous avez indiqué tout à l'heure que ça a été un long combat. Quels sont les appuis? Quel est le chemin que vous avez pris avec l'aide de qui pour obtenir la réinscription en 2013? Merci pour cette question. Je vais commencer par répondre à la seconde question, si vous voulez bien. Donc, c'est un combat qui a démarré en 78, comme je l'ai rappelé. À l'époque, j'étais enfant, donc je n'étais pas encore dans le combat politique, et qui a été mené donc, par Oscar Tutu à l'époque. En 1986, c'est la réinscription de Kanaky.
Pour un petit rappel historique, il était normalement prévu que les deux territoires soient réinscrits cette année-là, mais les essais nucléaires étant encore en cours en Polynésie, Jean-Marie Tjibaou a demandé à Oscar Temaru de sursoir à la réinscription de de Maui Nui, parce que la crainte était que la France puisse invoquer son droit de veto s'agissant d'une problématique de sécurité nationale, et la France étant membre des P5, donc avec les essais nucléaires en cours chez nous, ils auraient pu invoquer leur droit de veto. Donc ça ne s'est pas fait cette année-là. Et puis, bon, par la suite, on sait ce qui est arrivé malheureusement. Et ça a un peu, je ne vais pas dire découragé, mais ça a décalé finalement toute l'action qui était prévue initialement pour notre réinscription, qui n'a réellement repris en 2011. En 2011, quel a été le processus ? Très clairement, ça a démarré par une résolution qui a été prise par l'Assemblée de Polynésie, donc notre Assemblée locale, où nous étions majoritaires. Donc l'Assemblée de Polynésie a exprimé un vœu, donc celui de voir Polynésie réinscrite sur cette liste. Alors c'est évidemment pas un acte législatif, c'est pas quelque chose qui a force de loi, c'était uniquement un vœu, mais ça a été le départ de toute la démarche. Avec ce vœu exprimé par l'Assemblée locale, et nous avons commencé à faire une tournée dans la région, hein, puisqu'il était essentiel que les soutiens viennent d'abord de la région. Et il faut le dire, puisque c'est quelque chose qui est un peu difficile à concevoir pour les métropolitains, mais en Polynésie et de manière assez large dans le Pacifique, la relation qu'on peut avoir avec les n'est pas du tout la même que celle qu'il y a en France. C'est-à-dire qu'il y a déjà en Polynésie, par exemple, la loi de séparation n'est pas appliquée, n'est pas applicable. Et donc, les églises ont toujours eu un rôle politique très fort, donc un rôle d'implication dans la société très fort en Polynésie et plus largement. Et donc, pour nous, les premières étapes a été d'obtenir donc à Piula, aux îles Samoa, le soutien du PCC, le Pacific Council of Churches, donc la communauté des églises du Pacifique, et donc qui tenait son node à Piula, pas spécifiquement sur la question de l'inscription, mais ça a été un des sujets inscrits à l'ordre du jour dans les conclusions de cette réunion de Piula. Le PCC a donc appris à cette réinscription. Ensuite, partant de là, nous avons également obtenu le soutien du MSG, donc le Melanesian Group. Entre-temps, s'est créé le Polynesian Leaders Group, donc le groupe des leaders polynésiens pacifiques, qui a également, donc, lors du forum en 2012 à Rock, exprimé son à la réinscription. Et ensuite, donc, lors du forum qui s'est tenu à Auckland, le forum des îles, le forum, même s'il n'a pas explicitement, on va dire, soutenu la réinscription, a réaffirmé son attachement à l'autodétermination du peuple du Pacifique. Et donc, on va dire, à ces soutiens régionaux, nous avons eu la WILP, donc Women National League for Peace, qui nous a soutenus. Nous avons commencé un travail de lobbying intense, acharné, à New York,
ça a été pour nous donc la tournée des ambassades, on va dire, tout simplement. On a pris notre bâton de pèlerin et on a essayé d'obtenir un maximum de rendez-vous. Tout ça a été grandement facilité par deux choses. La première, c'est que nous avions donc l'appui à la fois logistique et on va dire conceptuel du docteur Carlisle Corbin, qui est un grand spécialiste des questions de décolonisation et qui connaît les Nations Unies comme sa poche. Le deuxième facteur, il faut le dire, c'est que nous avions à l'époque un sénateur donc dans notre petite équipe, le sénateur Richard Touriera, qui a été le premier sénateur indépendantiste et qui finalement nous a permis d'obtenir beaucoup plus facilement les rendez-vous dans les ambassades. Quand vous êtes ambassadeur à New York et que vous recevez en tête un sénateur, bien, vous avez tendance à accepter. Nous avons donc de 2011 à 2013 rencontré, je vous dis ça de mémoire, mais comme ça, je pense que mes chiffres sont bons vu que c'est moi qui tenais les registres, nous avons fait plus de 120 rencontres donc dans les ambassades pour à chaque fois expliquer fondamentalement la même chose, à savoir l'histoire de notre colonisation, l'histoire de notre inscription, de notre détention et le pourquoi nous estimions et nous, toujours nous ne sommes pas un pays, que nous ne sommes pas de réelle autonomie selon les critères des Nations Unies. Donc voilà un peu le processus. Pour nous, le point d'inflexion, parce qu'il faut quand même vous dire que même si toutes les rencontres se déroulaient de manière très courtoise, même si on sentait que les gens étaient, on va dire, en empathie, il faut quand même se rappeler qu'en coulisses, la France était au courant que nous étions là. Nous étions surveillés par près français, hein. Nous avions deux bonhommes en costume et lunettes qui nous suivaient. Et donc la France ne restait pas inactive et faisait son lobbying. Donc partout où nous étions passés, ils passaient juste pour essayer de récupérer le tir, on va dire. Le point d'inflexion, clairement pour nous, ça a été la possibilité de s'intéresser au NAM, donc le mouvement non-aligned movement, donc le mouvement des pays non alignés, qui regroupe finalement une majorité, je crois qu'ils sont 120 pays sur les 193 que comptent les Nations Unies à être membres du NAM. Et donc quand Katemaru s'est adressé au NAM, nous avons là senti réellement un point d'inflexion dans notre lobbying, puisque dès le NAM dans ses conclusions, hein, puisqu'ils se réunissent également chaque année, je crois qu'ils s'étaient réunis à Cher en Égypte, et ils avaient inscrit dans leurs conclusions de rencontre qu'ils soutenaient la réinscription de Maui Nui sur la liste des territoires à découvrir. Dès lors que le NAM s'était prononcé, nous avions la certitude que dès lors que la résolution serait portée à l'Assemblée générale, elle serait adoptée. Ensuite, techniquement, ça a été très difficile de porter cette résolution puisqu'il faut des sponsors c'était pas évident pour les petits pays du Pacifique, hein, malgré toute leur bonne volonté, malgré le fait qu'ils partagent nos idéaux, etc. Mais il faut se rendre compte qu'en face, la France, comme je vous disais, ne restait pas inactive. Et c'était le bâton et la carotte, donc avec des promesses de subventions, des promesses d'aide d'un côté, et à l'inverse, des promesses de restriction ou de, on va dire, des menaces, tout ça exprimé de manière fort diplomatique, comme toujours. Donc pour faire pression et sur ces petits pays
politique pour qu'ils ne sponsorisent pas, ils ne soutiennent pas, ils n'introduisent pas cette résolution. Et finalement, ce sont de tout petits pays du Pacifique. Alors, c'est important de rappeler que pour l'ONU, ces problématiques-là doivent avoir d'abord un soutien régional. Et que donc, pour chacun des territoires, pour chacune des colonies qui voudraient s'engager sur le chemin de la réinscription, c'est vraiment le premier point, le premier focus qu'il faut avoir, c'est d'avoir le soutien régional. Parce que lorsque vous arriverez au stade de la résolution, pour vous réinscrire, il faudra que cette résolution soit portée par des pays de votre région. Ça, c'est essentiel. Donc, nous avons réussi à obtenir le soutien donc, des Solomon Islands, de Nauru. Enfin, vous voyez, ce n'est pas les plus grands. mais partant de là, donc, ça a été introduit. Et la résolution a donc été adoptée sans vote, hein, je le souligne, donc par consensus le 17 mai 2013. Voilà le chemin hein, global qui nous a permis d'être réinscrits. Ça n'a pas été évident du tout. Ça a été un travail épuisant, des milliers de courriers envoyés par mail, en papier. Hein. Donc je vous disais à peu près 120 rencontres dans les ambassades. Donc, un travail de longue haleine, un travail intense. Maintenant, sur votre première question, vous pouvez me rappeler votre première question, excusez-moi, j'ai oublié la première question du coup. Alors, je vous propose effectivement que monsieur puisse répéter la question. Voilà. Et puis, si possible, de faire une réponse. Oui. Merci. Oui, monsieur le député, je crois savoir qu'effectivement que la délégation du comité de décolonisation se rend régulièrement. Donc, quels sont les critères qui sont sur la table et qui sont examinés par cette délégation? Alors, j'avais indiqué dans mon intervention liminaire justement que la posture de la France jusqu'à présent, donc de 2013 à aujourd'hui, est une posture déni. Ça a changé l'an dernier et l'année d'avant, mais on va dire que jusqu'en 2009, ce qui se passait concrètement, c'est quand la question de la Polynésie française était abordée à l'ONU, l'ambassadeur de France sortait de la salle et il revenait une fois que ce n'était plus la question de la Polynésie. Donc une attitude colonialiste condescendante absolument exécrable qui ne manque pas d'énerver d'autres pays dans les Nations Unies. Mais comment ça se traduit concrètement? Donc, je vais peut-être vous décevoir, mais il n'y a eu aucune visiting mission des Nations Unies, puisque ces visiting missions peuvent se faire qu'avec l'aval de la puissance administrante. Donc, tant que la France ne refuse ou se place dans ce déni, eh bien, les Nations Unies ne peuvent pas dépêcher de visiting mission. Il faut que ça se fasse avec l'aval de la puissance administrante. Donc, nous n'avons pas à ce jour eu de visite. Ça va peut-être changer dans les années qui viennent, puisque l'an dernier, cette année, puisque ça s'est passé en octobre, lors de la réunion donc, de la quatrième, le président de la française, qui est autonomiste donc, pour la présence française, l'équivalent des loyalistes. On les appelle les autonomistes, c'est ceux qui sont pro-français, a lui-même demandé à ce que cette visiting mission puisse. Alors, que vient faire une visiting mission des Nations Unies? Eh bien, elle vient vérifier, finalement, les fameux critères donc, que vous évoquez pour savoir si le territoire a atteint ce qu'ils appellent le niveau de self-governance. Donc, il faut savoir que le terme d'autonomie qui est utilisé en politique par les Français
n'a pas du tout la même signification que l'autonomie, comme le conçoit les Nations Unies. Je vous donne un seul exemple. Pour les Nations Unies, un territoire autonome est un territoire qui vote ses lois. Un territoire autonome est un territoire qui organise lui-même ses élections. Donc, vous voyez bien que sur ces deux critères-là, il n'y a aucun territoire outre-mer qui rentre dans cette catégorie. Kanaky, parce qu'elle dispose, grâce à sa réinscription et grâce aux accords, d'un titre spécifique dans la Constitution, de la reconnaissance d'une citoyenneté, la reconnaissance du peuple, est un cas très particulier et peut aujourd'hui voter de, on va dire, de véritables lois de pays, qui sont d'ailleurs vérifiées comme doit l'être une loi par le Conseil constitutionnel. Mais c'est un cas unique. En revanche, Kanaky, aujourd'hui encore, n'a pas le pouvoir d'organiser elle-même cette élection, puisque les conditions d'élection, date, etc., on vient de le voir encore avec le référendum, mais même pour les élections communes, tout ça est décidé par Paris. Donc, rien que sur ce critère-là, eh bien, l'ONU ne peut pas considérer que l'autonomie, la self-governance, est atteinte. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, Monsieur Akiès, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces précisions, très instructif. Est-ce qu'il y a une dernière question par rapport notamment au décalage? Certaines personnes effectivement quittent au fur et à mesure. Alors, une remarque. En fait, c'est pour M. James, c'est pour le camarade de Bonner. Ah, j'ai dormi. Non, c'était juste pour lui remercier d'avoir mis le drapeau en évidence, le drapeau guyanais, derrière lui lors de son intervention. Can you translate the question? Hi, James. Hi. Servais Alphonsine, I don't know if you know him. Just wanted to congratulate you and thank you for showing the flag, the French Guianan flag behind you. Thank you for that. Thank you. Thanks. Est-ce qu'il y a une dernière question? C'est une remarque? C'est juste une remarque. Une information supplémentaire sur l'intervention de Garcin Malsa. Donc, ce qu'il faut savoir par rapport à la Barbade, c'est le seul gouvernement, d'ailleurs depuis Durban 2001, dans son gouvernement, au sein du gouvernement, il y a une commission panafricaine dirigée par un militant très solidaire qui s'appelle David Commission. Donc, il n'y a pas de hasard sur ce qui se passe entre la rupture avec le Royaume-Uni et la Barbade. Donc, ils sont le fer de lance de la lutte pour les réparations politiques, financières et culturelles. Merci pour ces précisions. Alors, je vois une question, un doigt levé pour une question. Oui, pour Bonner. Normalement, je crois que Bonner, Curaçao et Aruba font partie de la Hollande. Donc là, j'ai vu qu'il y a une disparité entre déjà que Bonner et Curaçao. Il y a une disparité au niveau de la gouvernance. Par contre, je sais que Bonner, sa richesse, c'est sur le sel qu'il exporte. Il exporte beaucoup de sel, entre autres. Est-ce que les décisions de Bonner sont toujours dictées, point et mêlée, par la Hollande? Et donc, comment ils peuvent accéder à leur indépendance? Merci. Yes. Can you hear me, James? Yeah.
Yes, yes, was I can hear you. The person was asking what were the differences between Bonaire and Curaçao? And apparently Bonaire is exporting salt. Are you producing salt and exporting salt? And I was wondering, how can you become independent knowing that you export salt and maybe the Netherlands have a hand on that? Okay. Yes. On October 10, 2010, the Netherlands Antilles was dissolved, and we, the Bonaire and Sabah and Saint Eustatia, were incorporated directly under the Dutch state structure. So we lost on our autonomy on the date on 10-10-10. We were reversed to a full colonial rule from The Hague. Since then, The Hague decides on everything. Our tax money we pay is collected by The Hague and controlled by The Hague and without accountability to us, the taxpayers on Bonaire. And also the local government, they remain is a farce democracy and a farce government because they don't possess powers to decide on, and they cannot use the money we pay also at tax on Bonaire. So we have full colonies since 10-10-10. And that is the salt, what you're saying. The people of Bonaire never were educated about the values, their history. They don't know, we don't know our history. It's not educated in our school. So they have no power, no emancipation power to understand. They have rights. So now we are fighting to educate the people on rights. They think the Dutch pay and it's a Dutch money. They don't know it's their money the Dutch are using because you collect our money and give a little bit back of our money and then tell them it's Dutch money. So they believe that. And that our leaders are controlled by The Hague, so they can have no power. So it's a very, system where the local people does not have power and we are not represented in any forums, in any organizations. Contrary to Curaçao remain with some autonomy. They remain with their own parliament, but that parliament is still subordinated to Dutch government, where it comes to a higher something that the Dutch can implement, impose a higher law on them, a Kingdom Act, where they take away their power, and that happened. And also, there's a governor as a head of the government of the. And it's not democratically elected either. So, but the governor has the power to stop a law and nobody votes for the governor. So it's still a colonial situation where we are living in and we're trying to expose it and fight it. So the people on these islands, now we are fighting to get on the list back to decolonize. We think that it should go to the United Nations. So our people are not so far advanced in independence. We're thinking that we should go going back on the list of United Nations on self-governing territories. Then we can start the process of decolonization. Our decolonization never happened. It never take place. So that is our story in a short. Alors, vous m'entendez? Oui. Donc sur la question. Oui, sur la question. Donc pour répondre à la question, nous avons été intégrés dans le royaume des Pays-Bas. Donc nous sommes toujours
nous sommes toujours sous le joug des Pays-Bas, du joug colonial des Pays-Bas, de la Haye. Et donc, nous faisons partie du royaume des Pays-Bas. Les impôts sont collectés par la Haye, ça arrive directement aux Pays-Bas. Le gouvernement n'a pas de compétences, le gouvernement local n'a pas de compétences et ne peut même pas profiter donc des taxes publiques. Et concernant le sel, donc la problématique, c'est que le peuple n'est pas forcément au courant, ne connaît pas son histoire et n'a pas la volonté, le pouvoir d'émancipation et ne maîtrise pas les droits, la connaissance de leurs droits. On pense que les Pays-Bas payent tout ce qu'ils ont, en fait, leur obtiennent tout ce qu'ils ont. La problématique des leaders aussi, donc les leaders sur place, les hommes politiques, etc., qui n'ont pas de pouvoir, les élus n'ont pas le pouvoir, et en plus ne sont pas représentés dans les institutions aux Pays-Bas. Concernant Curaçao, donc il y a une forme d'autonomie, mais malgré tout, les Pays-Bas imposent leurs lois. Et puis, comme un peu en Guyane avec le préfet, il y a un gouverneur qui est nommé, qui n'est pas élu, et qui peut en plus annuler les lois. Nous essayons d'exposer cette situation donc, auprès de l'ONU et remettre notre pays donc, sur la liste des pays décolonisés. Et alors, ils considèrent que c'est à ce moment-là qu'on pourra commencer le véritable processus de décolonisation, que ce soit dans la tête aussi. Voilà. Thank you. Oui, bonsoir. Donc moi j'ai une question pour le FNKS. Je voulais savoir, vu que le gouvernement français a saboté les accords de Nouméa avec le dernier référendum, en fait, c'est quoi les derniers débouchés qui vous restent, en fait? Vu que les accords de Nouméa sont, je pense, terminés là, en fait, c'est quoi la suite? Est-ce que vous allez rester dans. Enfin, c'est quoi la suite? Suite au référendum qu'il y a eu et au résultat, donc il demande tout simplement aux frères de Kanaky quelle est la suite en fait qu'il se réserve. Voilà. Donc, oui. Enfin, je vais répondre. Il y a Laurie qui est de côté qui peut répondre également. Ce qu'on a dit simplement, c'est que il y a eu 3 référendums. Le troisième, on a considéré que c'est illégitime. Mais quand même, l'État a validé le troisième référendum. Donc, sur l'accord de Nouméa, on dit simplement que l'accord de Nouméa, il n'est pas terminé. Il n'est pas terminé parce qu'en ce moment, nous sommes gérés par l'accord de Nouméa. Donc, les provinces, les communes, le Congrès et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie continuent de fonctionner jusqu'en 2024. Et pendant cette période-là, nous sommes amenés à discuter avec l'État sur le futur statut institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Ce que les indépendantistes disent, c'est que s'il y a des discussions, il faut avoir des discussions, c'est sur l'accession du pays à l'indépendance. Parce que nous, on n'y était pas. On n'était pas concernés par le troisième référendum parce qu'on n'a pas participé. Les discussions qui vont s'ouvrir, donc on attend que les nouvelles institutions en France s'installent pour qu'on puisse envisager les discussions après. Ce que les indépendantistes disent aussi, c'est qu'ils n'accepteront jamais un statut au sein de la République française. Voilà, pour aller à l'essentiel. Merci beaucoup pour votre réponse. Alors, nous vous remercions tous, intervenants, donc pour la Martinique, Garcin Malsa, la Guadeloupe, Luc Renette, pour Bonheur, James Fignes, la Polynésie, le député Moïtaï Broterson, et pour la Kanaky, vous, Monsieur Wassisi du FLNKS, ainsi qu'à côté de vous, votre chargé de communication. Merci beaucoup pour la qualité de vos interventions. Maintenant, je donne la parole à Maurice, qui va ouvrir le débat pour la suite.
Mes remerciements appuyés encore avant que vous ne quittiez la visioconférence à Wassissi de la Kanaki, aux camarades de Garcin Malsa de Martinique, aux camarades de l'Ukrainette, aux camarades Moutaï Boutersson et James. OK. Good night and another day. OK, bonsoir. Ah. Bonsoir. 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 Alors, Nuka. Nuka reprend et enfin Nuka continue à causer entre nous. On a la sala, association d'affaires décolonisation. Bon, pour nous qui arrivons après, donc nous avons nos 30e anniversaire, nous avons nos 12e congrès, nous avons une deuxième soirée, parce que c'est la première soirée à nous faire à Saint-Laurent, à ce journal Rode Causé, et M. Henri Néron. Et là, nous avons quand même un petit causé qui est autre, association d'affaires décolonisation, mais nous avons dit, attendez, ça, Rode collègue, qui en a d'autre côté qui a dit à ce que ça fait décolonisation. Nous habitués, écoutez nos camarades de Martinique et la Guadeloupe, Timosso, mais nous pas habitués, écoutez la Polynésie, nous pas habitués, écoutez la Kanaky nous connaît Timosso aussi, mais pour Bonaire par exemple, nous pas savait, nous bien certains ne nous pas savait qu'il y a qu'à revendiquer, il y a indépendance, il y a qu'à organiser les corps, et nous-mêmes MDES, nous qu'à participer en une alliance qui est et qu'appelé Caribbean Pacific Progressive Alliance, pour demander qu'il y ait réinscrit nos pays à sous liste pour décoloniser. Et ça alliance, ça fait une liaison qui est CARICOM, et puis qui a sous-affaire réparation aussi, puisque on a un pays qui n'a pas l'anglais, on a la Caribbean, ça va être réparation qui a parlé beaucoup, et nous, coloniser, y a, nous avons dit qu'on s'appelle la première réparation, justement, à qui est une droite de diriger nos affaires nous-mêmes. Alors, nous avons un témoin à ces affaires décolonisation, à ces affaires inscription à l'ONU. Nous avons la parole avant d'ouvrir le débat. Nous avons été trop long à camarade du comité drapeau qui marchait aussi, ensemble avec Raymond Charlotte, qui est encore avant nous, hein, qui marchait pour poser problème PIA dans nos régions. Donc, nous avons servi Alphonsine la parole pour une débête. Des trois bagages à sous-affaires, inscription à sous-liste pays pour décoloniser. Puis après, Mounion, nous qui débattons. Alors, nous avons dit qu'après, il y a 9h30. Bon, nous qui regardons si nous pouvons tenir nos timings, parce que Ijata. Oui, bon, c'est bon avancer. Alors, premièrement, c'est mon bonsoir, votre carton de mots. Ah, moi, pas le plus fort, alors. Alors, premier bagage. Question, moi, pas poser, camarade Kanaka, mais moi qui pose les autres plis. Est-ce que, en fait, le nous qui a gardé, Djibélé, moi qui a été appelé, Mouchéa, la meurtrier, Djibao, qui est né. Est-ce que, oui, est-ce que, par exemple, Djibélé Ouéa, bon, est-ce que en fait, il n'est pas plus visionnaire que les autres? Le mot qu'a dit ça, ça veut dire, pas j'ai fait français à confiance, parce que nous, c'est à qui est arrivé, nous, c'est à qui est fait, donc il n'a pas fait français à confiance, c'est le premier bagage. Deuxième bagage, il y a deux petites anecdotes. Premièrement, moi, en tête, une image, une cage de gibier. Côté, il y a un petit gibier dedans, la porte cage a ouvert, et il y a un petit gibier, et il a gardé d'autres petits gibiers qui déroquent à voler, et puis, lui qui est en cage, il a dit, mais il y a fou, ça, il y a un qui a volé comme ça. Et deuxième image, il y a un poulailler, il y a une cinquantaine de poules dedans. Depuis tout petit, il y en a un poulailler. Un jour, il y a ouvert la porte et poulailler. La plupart de ces poules sont sorties. Il y a 5 ou 6 poules qui restaient. Tout courir, moi, quand courir derrière, il n'y a passé devant la porte pour la yaya, il n'y a pas sorti. Je suis obligé de prendre bois, foutre le bois yoko pour faire sortir. Et moi, quand je demande des mots, est-ce que d'un côté, après un peu nos mentalités, excusez-moi, moi, dur que nous-mêmes, hein, moi, quand je demande des mots, est-ce que nous pas comme ça? Alors, colonialisme, puisque nous avons parlé de décolonisation. Pour parler de décolonisation, pour savoir ce qu'est le colonialisme. Alors, je vais chercher une petite définition pour vous autres, qui n'est pas trop longue,
Vous avez un bon sommeil, vous avez un plus rapidement. Alors, merci. Colonialisme. À une doctrine, nous dit, enfin, à européen qui a une définition, hein, une doctrine qui a servi pour exploiter d'autres pays. Alors, cette doctrine, hein, qui a reposé en les trois principes. Premier principe, à une occupation militaire. Nous finissons par parler du Kanaki. Vous savez, ça, français a fait en 1853, il est arrivé là-bas, il prend son armée, il pète ses Kanaka, il voye dans les montagnes, et puis il prend toutes ses bancs de terre, il installe ce colon français. Mais ça, il fait en Kanaki. Donc, en occupation militaire. Là, nous regardons côté nous en Guyane, tous nos points stratégiques à l'armée française qui est en dedans. Et pour la base spatiale qui est installée, premier bagage à faire, ils ont installé la Légion. Ils ont dit pour pacifier le pays. Donc, à pas pour nous oublier ça. Donc, l'armée a joué un grand rôle en faisant ça. Deuxième bagage, à une domination administrative. Qui est-ce qui a dirigé le pays en réalité? Nous, bien oui, que ça fait Corona, à gouvernera. Gouvernera, ça, moi, je l'appelle proconsul. Qui pratiquement gagne droit de vie et de mort, on est nous. Hein? Donc, certains appellent préfet, mais un proconsul qui nous vient là. Il est exactement à l'image de Ponce Pilate. Vous avez rappelé Ponce Pilate, Ndibi? Bon, ben, il compte Ponce Pilate là. C'est pas il qui a fait ça, il est. Alors, tirez mon doute en vos têtes. Ça, préfet là, Ponce Pilate là, à qui groupe carnavalité là qu'a joué là? Quel groupe est là que je cherche là? Jakarta. Jakarta n'est pas un groupe guadeloupéen. Pratiquement guadeloupéen. Qui a mené 5 ans à faire ça là-bas et qui a fait ça ici. Nous, nous avons germain, nous avons discuté de ces affaires. Alors, il y a sa occupation, nous dit, et militaire. Nous avons sa domination administrative. Mais nous avons aussi une exploitation économique. Parce que pas oublier l'exclusivité coloniale. Nous obligés de faire toutes nos courses, acheter tous nos produits venant d'Europe. Made in France, c'est Made in France, à présent à CE. Made in CE. Tout ça pour nous acheter Made in CE. Même si Brésilien, même bagage à la côté, plus cher, beaucoup plus cher, de meilleure qualité, nous obligés d'acheter à CE. À ça. Donc, il a exploité nous économiquement. Et à qui prix? Je ne finis pas avec quel monde en France. Je n'ai pas dit que mon abonnement téléphonique a coûté 15 euros pour faire tout le bagage. Moi-même, j'ai un minimum ici pour payer 40 euros. Fusée à côté de nous qui a sorti. Tout retombé, malpropre, fusée à pour nous. Mais tout avantage à pour yo là-bas. Donc, il y a ça. Donc, je vais les trois piliers. Mais il y a un quatrième pilier et ça, nous qui mettons. Et là, je dit nous, a principalement, un penseur qui nous a gagné ici, il a appelé Alain Michel. Et tu es quasiment plus de ça, trois piliers. Pour mettre un pis solide, nous gagnons aussi l'aliénation culturelle. Parce que culturellement, nous aliénés. Nous-mêmes, qu'a dit Guyane française, tu vois, nous avons un problème. Nous-mêmes, qu'a mis des casquettes 973 dans nos têtes, tu ne pas avec nous un problème. Non, la Guyane est un pays, mon vieux. La Guyane est un pays, quoi qu'on en dise. Alors, il y a beaucoup peut-être d'autres bagages pour dire, mais comme Maurice, j'ai dit, moi, temps limité, je dis effectivement décolonisation, on a qui ça nous perpille pour dire ça. Eh bien, il y a des textes, il y a des textes au niveau international qui ont raison. Et notamment, fondateur à la résolution 15-14 de l'ONU du 14 décembre 1960. Alors, je peux décrire tout texte, mais je peux juste dire rondi sur l'alinéa qui en dit dans. Et qui a dit, ça n'a pas dû être dit qu'un peuple pas pareil économiquement, socialement, culturellement, pour y accéder à sa souveraineté. Tout peuple pareil pour accéder à sa souveraineté. Donc ça, nous vivons en 2010, ça a été un crime contre la Guyane. A été un crime. Et ah, peut-être même Beta qui passe aux Antilles aussi, mais pour nous, principal opposant, enfin, principal adepte du reste côté de l'IA, a été nous pas comparé. Donc ça, Mouna et toute son équipe responsable d'un crime devant l'histoire, vis-à-vis de la Guyane, vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de sa propre génération qui est venue. Donc, il y a ça aspect. Alors, mais il n'y a pas ça seulement. Il n'y a pas ça seulement. Parce que, pour prendre plaisir, écouter ces orateurs à parler.
et M. Broterson notamment. Parce qu'il y a une bagage nous qu'on oublie souvent. Il y a d'autres institutions, il y a l'ONU, mais il y a des pays non alignés. Il y a des pays non alignés. Et à sous-influence, les pays non alignés, qu'en 2010, par exemple, eh bien, l'ONU a décrété deuxième, troisième décennie pour la décolonisation. Mais ça qui passe, tant qu'à passer, nous pas qu'à passer. Et voilà qui nous, il a passé troisième décennie. La Guyane pas bougé. Et à grâce à ça qui passe à Bonaire, côté Maurice, t'es allé, moi même pas t'es allé, ça joie, mais par exemple, mon camarade, parce que mon camarade, même si nous pendant même organisation mobilité cité, à Moussé Charlotte de l'OGDH, qui était allé à Bonaire. Et après ça, qui passait, ces réunions qui passaient à Bonaire, eh bien, ils ont obligé le comité de décolonisation décréter une quatrième décennie. Là, en 2021, nous entrons dans la quatrième décennie pour la décolonisation. Pourquoi est-ce que ça nous fait? Parce qu'à part moi qui m'ai dit organisation, comité drapeau, à part moi chez Charlotte que cette organisation et OGDH, même MDS qui j'a fait beaucoup. Maurice, j'ai assisté à Sainte-Lucie. Il peut raconter d'autres anecdotes, ça, il vit à Sainte-Lucie. Et puis, pression aussi au fond de Sainte-Lucie. Il peut raconter d'autres, ça. Mais à pas nous. Si l'ensemble population n'a pas qu'à lever, vous dites non, nous voulons changer le statut, nous voulons changer nos rapports avec la France, eh bien, nous qui rester en homme. Même caca, nous qui rester. Donc, pour la population, de vous dire ça. Et Mouton Mouché, Boterson, il même qui parlait, processus ça. Alors, on a processé ça aussi, parce que pas oublier Nouvelle-Calédonie. Ça qui passe, c'est que Nouvelle-Calédonie, que Kanaki, tu as raison, rectifiez-moi, Kanaki, ça qui arrive que Kanaki, eh bien, l'ONU même qui inscrit Kanaki. Et pourquoi il inscrit Kanaki? Eh bien, parce qu'il y a un mouvement insurrectionnel, voire de guerre civile en Kanaki. Donc, à ça, la France, content. La France, pas qu'à décoloniser. La France, si tu pas, j'aime peut-être que nous pitié, c'est vrai, nous péquons paix. Militairement fait face à la France, mais il y a des moyens. Alors, pourquoi rappeler les autres? Pourquoi pas filmer dans la salle, pourquoi pas pédier tout le bagage? L'Algérie, parce que là, nous, on prend la liste. La loi en 46, fait la liste en décembre 45, dresser la liste. Nous, dans la liste, ça. Donc, l'ONU te reconnaître nous comme étant un pays colonisé. Trois mois après, donc en mars 46, la France, que certains disent nous, complices aussi côté nous. Parce que Mouché, Monerville, a pour appeler religieux. Mouché Césaire, a pour appeler religieux. Mouché Blaise Diagne, du Sénégal, a pour appeler qui religieux. Seul monde parlementaire colonie qui n'était pas d'accord a été Paul Valentino, un Guadeloupéen. Et puis nous tenons opposants ici, notamment certains Léon Damas, qui étaient opposés à sa départementalisation. Mais ils étaient qu'à combattre aussi à l'époque. La population même était qu'à combattre. Mais ça qui passait, qui foutait nous en notre caca. Alors, l'ONU qui a dressé ça, Lisa, c'est intéressant de dire il y a un pays qui n'a pas qu'à figurer en dedans. Tout pays qui a figuré, sauf un seul pays. Et pourtant, ça pays après qu'a pris son indépendance. Pourtant, il n'y a pas qu'à figurer. L'autre, c'est qui laisse? Eh bien, c'est l'Algérie. Parce que la France t'a fait d'Algérie une extension de ce territoire. Donc, même au niveau international, l'Algérie a un territoire français. Eh bien, non, l'Algérie a fait son griffe. Et même si militairement la France gagne la guerre d'Algérie, la France pas TP administrer l'Algérie. Mais problème. Donc nous paierons nos territoires ingérables. Nous pas obligés de faire la guerre qui est française. D'ailleurs, si nous faisons la guerre qui est française, vous pouvez faire d'autres savent, messieurs et mesdames, qu'il y a beaucoup d'autres pays qui sont contents d'écouter que la France ici. Hein? Alors, pas pour nous paix à ce niveau. Alors, juste, Maurice, excusez-moi, que dis un mot. Ah, pour nous dire qu'il nous gagne certains municipaux qui ont fait des sales travail. Les mots dans l'école primaire. Mon instituteur qui dit nous, en enclasse, ah, pas pour la Guyane prend son indépendance. Si la Guyane prend son indépendance, à quelle source? Troisième guerre mondiale. Et nous t'ai fait une histoire, on est la guerre mondiale pour atrocité de la guerre. Et il a dit, non, si nous prenons l'indépendance, c'est la question de la troisième guerre mondiale. Mais ça, Bouga dit, nous, pour qui ça a été dit ça? Pour déjà mettre en nous tête, pas garder pour nos souverainetés.
Alors, après ça, il y a appris des messages subliminaux. Donc, il y a distillé ça, des tout petits. Et un tel monde venu de l'extérieur qui dit nous ça. Hein? Un exogène qui va nous ça conseiller. Voilà. Alors, Maurice, si moi, alors nous gagnons d'action. Mon père qui d'autres qui action, nous gagnons d'action. Mais Maurice Frécy. Alors, bon. Alors, oui. Alors, nous allons continuer le débat. Peut-être on en débat. Nous allons continuer. Mais merci, Maurice, quand même. Merci, M2S, pour ce moment. Oui, nous toujours qu'à nous pas oublier camarades qui marchent avant nous, qui ouvrent chimé en bas nous, et nous t'inviter, monsieur Charlotte aussi, pour lui-même aussi des intimos pour introduire dans le débat. Bon, cours collègues à 10 autres, moi-même, j'ai eu l'occasion d'y participer en un comité de décolonisation l'ONU, MO, en 1999 et puis en 2001. Mais cours collègues à 10 autres aussi, ou pas gain droit. Parce que ou pas sous l'ISTA. Donc, qui façon vous faites pour participer? Ben, vous êtes en délégation Kanakia. Vous avez un badge Kanak. Et vous êtes assise derrière, donc vous partez au premier rang, bien sûr. Kanakia divan, moi assise derrière. Considérez, vous êtes un Kanak, vous êtes un badge Kanak. Non, personne ne pas savait, vous êtes un militant Kanak. Et puis, lors, il y a des pauses, parce que toujours une pause, mon collègue ouais ambassadeur autre pays, mon gars dit mon passant canac, mon sang guyanais, mais un rapport à ce sac à passer en Guyane, il a dit ah bon, on dit oui le côté, mais comme ça, il fait ça à Sainte-Lucie, et il nous fait ça à Cuba aussi, on les parle deux fois, ok, nous assise parler que président comité de décolonisation de l'ONU et même conseil monsieur Brotherson by nous, à même conseil by nous, il dit nous faisons lobbying en nos régions pour pays qui ont bonouya connaître ça qu'a passé. Et d'accord pour soutenir. Mais bien sûr, en, vente, enfin, en même temps, droit à faire l'obéine des rois, il faut faire tout le travail, au fond aussi, pour faire nos peuples comprendre qui nous colonisaient et qui, en un chemin, ils pouvaient gagner pour décolonisation. Ils gagnent ça là aussi. Ça fait qu'ils sont re-inscrits à ce liste pays qui n'est pas autonome. Pour que ça, parce que discussion a fait qu'un arbitre à ce moment. Et moi, j'insiste à ça. J'ai dit, par exemple, nous n'avons pas la Nouvelle-Calédonie. Et bien, tu as un Wimbo. Ça y capte les puissances administrantes, en tout cas la France, Rodbot ou Kagan, pays qui poko, non self-governing territories, pays qui poko, qui a gouverné Soko. Et l'ONU même là, représentant l'ONU, il y a dit, ouais, débat, côté bête à avancer. Donc, à Kanak, il a commencé, il a dit, ouais, France a dit, tu as fait ça finalement, il n'y a pas fait, que ça, que ça, que ça, que ça, ça. La France a essayé de répondre. Donc, processus a fait qu'un arbitre qui a garanti, si nous pouvons dire, par rapport à nous, peuple, qui a garanti qu'il pouvait faire pacifiquement. Quelle discussion. Bon, bien sûr, comme à Gadzot, comment les actions pour te faire sur le terrain, pour te faire lobbying, et comment la France a fait pression. Bon, quand même, un exemple, nous t'ai fait, et l'homme était allé à Sainte-Lucie. Camarade Martinique et Guadeloupe, qui est tout proche, il est venu aussi. Bon, mais il n'est pas rentré au fond, il était rentré, il était bon, mais nous profiter pour faire une conférence de presse des rangs pour parler des situations de nos pays. Ben, figurez-vous, qui là, une année, dès l'année après, moi, les Cuba et mon contré, qui est responsable Sainte-Lucie, il dit, nous, entre-temps, il y a une réunion qui est faite à Rio, Chirac a appelé un petit coin, Sainte-Lucie. Et puis, il dit, regardez, à qui ça, nous avons fait une indépendantiste qui a fait conférence côté autres, qui s'est passé là. Notre ablier, nous avons fait la banane Sainte-Lucienne, donc, machin, ça. Pression, les cafés, à ce type il y a. Mais malgré ça, il est arrivé au niveau de la Polynésie. Et donc, nous avons ça à travailler pour nous faire. Nous avons passé la parole pour tout le monde, bah, soit à via sous ça. Pour nous, il n'y a pas d'être tabou. Et nous, être en chemin d'une responsabilité dans nos pays. Alors, qui est-ce qui l'a parlé? Rien. Zotlé, nous avons pris 20 minutes encore avant de finir sa soirée. J'arrive, comme ça tout le monde pourra entendre. Quand on participait à ça à Dibounera, à question, deuxième question, vous avez posé, monsieur, mais apparemment, ça ne va pas arriver. Comment Suriname arrivait passer sa travers? Parce qu'il y a toujours même colon, toujours même colon. Est-ce qu'on va suivre différent ça? Même moi, pas pouvoir répondre tout sérieusement. Moi, pas connaître l'histoire bien. Moi, pas connaître l'histoire bien. Guyana aussi. Ouais. Guyana et Suriname.
Je menti si je dit tout. Je ne savais pas exactement comment ça passait. Il a fait le travail, il a fait monter, descendre, etc. Bon, à grand pays, je ne savais comment ça passait. Comment il est largué là, et puis il est chabé de l'autre côté. Quelle stratégie était gagnée dans les têtes, parce qu'il y a toujours ça. Il est carré raisonné par rapport à l'intérêt. Je ne pouvais pas dire tout qui différencie. Bon, alors. Bon, si l'autre monde connaît, il a dit. Alors, par contre. Alors, nous avons fait la parole circuler. Okay? Chaque monde qui a fait une CB, c'est bon qu'il ait dit un petit mot. Qui est-ce qui a demandé là? J'arrive, et après, il y a José. Avant de travailler. Oui? Oui? Ah ben d'accord. Bonsoir tout le monde. Ce soir, je suis là pour poser quelques questions. Premièrement, décolonisation. Jusqu'à ce moment, je n'aime pas de vous le vrai sens. J'applique à le mot décolonisation. Pouvez-vous faire un peu de cette explication pour moi, s'il vous plaît? Oui, la décolonisation. Pour nous, a sauté en bas la colonisation. Mais décolonise de quoi? De quoi? Décolonise quoi? À décoloniser. Non, c'est pas pourquoi. C'est pas pourquoi. Mais il vaut mieux peut-être te dire, te bailler ton mot, bailler ton explication, tout même. Ça te l'a dit nous, quoi. Ouais. Give us a. My explanation, yes, in English, of this of decolonization is when a people can take for themselves what they want and not waiting for the colonialists to say, okay, we are giving you this. Bon, alors là, tout le monde comprend ou bien nous allons. Bon, tout le monde comprend? Non, dis-le en créole. Mais c'est dit comme ça, pour lui, un pays qui décolonisait, un peuple qui décolonisait, alors le peuple va être capable de prendre ça et besoin, oui, mais pas entendre qui colonialise à Bailly. You can continue. Yes, no. Oui. My second question, la deuxième question que je vais poser de vous maintenant. Avant que je pose cette question, il faut que je vous donne. Pourquoi je suis là encore? Et qui est-ce là? Je entends Guyane, 81, le 26 février 81. Et vous, vous avez ouvert le bras et acceptez-moi ici en Guyane. C'est maintenant presque 42 ans, je suis là au Guyane. Et je suis fier pour dire, je suis guyanaise. Ouais. Je suis Guyanaise et les choses qui passent dans ma pays à ce moment, je ne peux pas accepter. Vous, M. Pender, tu sais qu'est-ce que je parle. Vous, M. Bécher, tu sais qu'est-ce que je parle. Mais qu'est-ce qu'il nous cherche actuellement pour rester debout pour dire, parler de la décolonisation, non, man. Il faut que nous fassions notre mouvement. Nous avons le contact avec toutes les Mayotte, etc., etc. Pourquoi pas nous avons cette même situation de les. Oui, pour. Faites tout le monde ensemble. Sous le même format. Exactement. Ouais. Faites le même colonisateur. D'accord. C'est comme ça ma question. Okay. Ah ben, nous avons remercié tout. Hein. Nous avons fait bêta circuler.
Ça là. Koumouka prend la route. Depuis 3 heures, bon matin, je prends la route qui est barrage sous sa jambe de Betia. Et je télépathie parce que mon coup est enchaîné. Bon, je peux arriver à changer ça qui est dans la tête. Mais pour moi-même, ça qui est fondamental, en plus, le mouka, ouais, tout à fin de parler là, ça fait changer de bagage. Premier bête idéologique. Avant arriver en l'air, toute autre bête idéologique. Je ne peux pas bien arriver à sous l'aliénation. Tout à prendre. Tout historien, sans exception, tout historien universitaire, gros petit, est-ce qu'il y a un livre qui a précisé depuis l'Afrique, jusqu'ici, depuis 1440, lors il a démarré la mafia, ça l'Afrique t'efficace. Et ça, les pays qui allaient détruire l'Afrique, ça y est efficace. Si ça qu'a fait, nous pas un lieu d'y faire mouvement international pour les réparations. Donc, bêta idéologie. Deuxième bêta, d'ailleurs, nous prenons que des mounes Sainte-Marie parce que nous commençons à dire tant pis, nous qui allons vraiment à des bêtes. L'Afrique du Sud, il n'est pas allé loin. Il dit que les trois piliers de l'apartheid, ça clair. La preuve scientifique que l'homme blanc est supérieur au noir. C'est ça. Ça, c'est l'idéologie. Deuxième bête, et à Sam Karoujira Sinamari, l'apartheid, ça représente la volonté divine. L'OTAN donne l'Église. Désolé pour les grands chrétiens, tout ça, genre de bêta. L'Église, c'est l'apologie du crime contre l'humanité. Ça veut dire que si, sans l'Église, sans l'esclavage, il n'y a pas de l'Église. Mais tout le monde dédie d'Adon, alléluia, alléluia. Tu vois ça me dit tout. Donc, en nous, roune après route, bêta idéologique. Et moi qui conclue, et ça, pour Sam Kazot, les chasseurs, les plus grands civilisateurs, ça l'Europe peut comprendre. Parce que pour te pouvoir dominer les animaux, il y a ça qui fait d'expériences douloureuses. Ça a fait un modèle de lagrimace et puis qu'il y a des animaux à inoptiser. Ça a fait notre qualité bête, et bien les animaux à manger. Donc, tu as commencé pour te battre ton ennemi, tu as commencé à dominer. Et à pour ça, pour moi, le plus grand des plus grands, pas pour tout le monde, à Bantou Binko. Et moi, quand je finis en laissant, l'homme qui a fait la longévité, le culte de la longévité, moi, je fais le culte de la mission pour France Fanon. À 30, 31 ans, l'homme qui est tué, il est cassé sa tête parce que Bantou Biko, Kadito, l'âme du puissant à l'esprit opprimé. Donc, ça partie à nous doit être réglé. Si nous pas qu'à faire brigade sur sa plan, nous perdons toute la restante. Nous qui continuons toujours dans le même bête, nous qui continuons à faire débat, nous qui continuons à faire ça bête. Mais la question idéologique, ça veut dire que il a commencé que nous, nos ancêtres, les Gaulois, alors qu'il était que dit nos ancêtres, les Africains, tout partout, d'Asie jusqu'ici, à d'abord les Africains, les guides, le guide de l'humanité et de la civilisation. Merci. Bonne route. Oui, c'est une question que je voudrais poser. Donc, pratiquement, il y a des autres qui sont faits, puisque la France prévoit justement des artifices juridiques, c'est-à-dire une homonymité d'homme, après il était gain d'homme, après il a fait disparaître d'homme, et il mettait pomme, après il était gagné pomme aussi, hein? Donc, et puis, alors, nous, et puis, il a fait nous disparaître de la liste à des territoires à décoloniser. Et après, il a mis un autre artifice juridique. Après, je vous crée en 2013, vous crée, hein, comme quoi que nous pas peuple, mais nous population. Et là, donc, arrivé devant le commissaire l'ONU pour être inscrit sur la liste, il était dit que c'est vous menacez la sécurité nationale puisque nous sommes des collectivités et voilà. Alors,
Alors, comme nous sommes des collectivités, comment, quelle possibilité que nous avons pour être inscrits sur la liste des pays à décoloniser? Oui, vous pouvez répondre, mais en même temps, nous allons passer la parole. Hein, puis il y a un autre mot qui l'est parlé. Nous allons passer la parole. De toute façon, à des questions, questions qu'on a posées, il y a à questions qui étaient posées en nous congrès. Ouais. Là, là, nous. Allô? Oui. Je dis qu'on a la question encore, camarade Akabo, nous n'est pas obligé de répondre à présent, mais une question qui est posée en nous congrès. Parce que nous mettons ça congrès, hein, en le sigle décolonisation. Donc, il ne s'agit pas qui nous continue de dire que nous avons un chimé, nous avons un chimé. Il s'agit de dire qui est-ce qui arrive et que ça nous fait pour nous arriver. Là, ça nous a parlé, puis toute cette question de Kaposan qui est posée aussi pour nous répondre. Il y a des mondes qui l'ont parlé dans le fond, après, c'est fait. Bon, alors, bonsoir. Bon, je suis très heureux d'être au milieu de vous. C'est la même question que ce que le monsieur a demandé tout à l'heure. Moi, je demande une question, pourquoi les décolonisations? Je suis Caraïbe amérindienne. Quand Cayenne a fait la guerre ici, c'est Pérou a fait la guerre, 1653. Le 27 novembre 1653, Cayenne a quitté son terre, après venu aider son peuple ici. Nous n'avons pas laissé la terre pour la France. Nous n'avons pas laissé la terre pour les Espagnols. Non pour le pacolonialisme. La terre ici, où tout le monde vit aujourd'hui, qui tout le monde est en train de demander la décolonisation, appartient pas à la France. Nous, Caraïbes amérindiennes, nous, originaux amérindiennes, qui étaient ici, les derniers qui sont quittés la terre, c'était 1939. 1939, mon arrière-grand-mère a fait la réunion au Palmis. Ils se sont fait la réunion au Palmis pour prendre une décision pour aller de notre côté. C'était la liberté, la guerre qui était commencée par les messieurs là, je ne sais pas comment ils s'appellent, Chirac, je ne sais pas qui, les messieurs de la liberté de la guerre, de Gaulle. Les ancêtres sont laissés la terre et se sont partis de notre côté. C'est 1939. 1948, la France pensait que ce sont les dieux de cette terre pour séparer Albina et Saint-Laurent. Mais la terre n'est pas séparée de nous, Amérindiens, parce que nous n'avons pas donné la terre à personne. Mahouri, la terre, le royaume de Caraïbes, est toujours là. Tampac, les histoires de Sepérou. Je suis la descendante de Sepérou. Quand je vois aujourd'hui la décolonisation, les Amérindiens même, je suis Amérindien, les organisations doivent arrêter de signer. C'est ça la tête, c'est ça le problème de la Guyane. La signature, qu'est-ce que les Amérindiens donnent tous les 20 ans en Europe? Et c'est ça qu'est-ce que je demande pour mon ancêtre. Pourquoi je suis là? C'est ça qu'est-ce que je demande à les organisations amérindiennes où je suis repoussée aujourd'hui parce que je suis Caraïbe. Et les Caraïbes qui étaient là, ce n'était pas l'hélice. Dans les années 1942, Katuri de Matouri aujourd'hui, sa montagne est toujours là. Nous devons connaître les histoires, les vraies histoires de la Guyane. Quand Cayenne a fait la guerre, ils se sont gagnés la guerre. Cayenne a gagné la guerre. La terre était abandon, pas abandon, mais les moments de détente de Cayenne, parce que ce sont assassinats, ce sont sinocides, ce sont brûlés les mères vivants ici. Ce n'est pas les histoires de Suriname, c'est les histoires d'ici. Se sont brûlés les mères vivants. Se sont brûlés les enfants vivants. Attacher les mères dans les maisons, ce n'était pas cabé. Aujourd'hui, l'État est en train de nous demander interdiction construite. Moi, je suis au tribunal le 13 janvier. Le 13 janvier 2022, à 8 heures, je suis au tribunal parce que je construis un petit cabane. Mais je n'ai pas peur pour aller dire à l'État les histoires de mon ancêtre. Je suis prêt pour le 13 janvier. Pour aller le dire, ma grand-mère n'a pas construit les cabés. Ce ne sont pas construits les maisons en bois. Ce sont construits les fondements forts. Et quand tu regardes l'histoire de Tampac, qui connaissait Tampac? Qui est Tampac? Peut-être que vous ne connaissez même pas Tampac.
quand se sont kidnappés, que c'est Pérou. Cayenne est enterré dans mon village aujourd'hui, je dois vous dire ça. Dans mon village, pour les Américains qui ne me connaissent pas, pour les Américains qui ne m'acceptent pas. Cayenne est enterré dans mon village. Je suis la descendante de eux. La terre appartient pas à la France. Les Samaka ont fait un accord de paix à Mana. Et la France a profité et a manipulé cet accord de paix. Nous devons le dire. Les Samaka a signé un accord de paix. Cet accord de paix n'est pas signé au Suriname. À ce moment-là, nous n'avons pas de Suriname. Nous n'avons pas de Guyane. C'était un seul continent amazonien avec les tribus, avec les Caraïbes, avec les Tikuna, avec les Oyana, avec les Oyampi. Mais tout ça, ce n'est pas les tribus. Nous avons trois grandes tribus. Les Caraïbes, les Arawaks et les Yodafana. Les Caraïbes et tribus, ça c'est les Oyana, les Wayampi, les Telewiyu qui sont toujours là, et les Arawaks qui sont nombreux, les Tukuyan, les Tukuna, les Aztèques, les Mayas. Tout ça, c'est les Arawaks tribus. Nous devons connaître les histoires d'ici. Kayen est quitté ici. Quand il est quitté la terre, il est parti. Quand les gens sont décédés, nous sommes partis, nous sommes allés de notre côté. Un petit tribu qui est retourné, c'était cette petite de Telewiyu. Ils sont restés. Dans les années 1939, tous les Amérindiens sont retournés pour faire la réunion au Palmis. Tous là se sont pris en décision, est-ce qu'ils restent ou est-ce qu'ils partent. Nous sommes partis. Pour les gens qui disent je suis surinamienne, je ne suis pas en surinamienne, je suis en Caraïbe amazonienne. La ici n'appartient pas à la France. La France signe. Ils signent avec nous et l'Europe. Ils font un accord tous les 20 ans. Et ça doit arrêter. Parce que la terre de mon ancêtre, il pleure. Cayenne pleure. Moi, je crois à l'ancêtre de moi. Cayenne pleure. Et ça va arrêter après le 13 janvier. Je vais le dire, la terre appartient pas à la France. Les derniers Caraïbes se sont fait la guerre 30 ans. Et c'est là les histoires de Guyana commencent. Il y a Hollande Guyana qui était là. C'était Pays-Bas d'abord, Hollande. Les Hollandais, les Anglais qui ont fait la guerre ici. Ce sont les deux premiers. Et ce n'est pas les histoires de Christophe Colomb. Nous n'avons pas connu les histoires de Christophe Colomb ici avec tous les livres qui sont écrits. C'est seulement mon chance. Parce que Guadeloupe, Martinique, les histoires de Guadeloupe avec Mahouri, c'est seulement la famille. Suriname, Venezuela, nous sommes seulement la famille. L'État a dit à vous peut-être, ça s'est séparé les rivières. Mais 1948, pour nous, Amérindiens, ce n'est pas séparé. C'est qu'est-ce que je voulais vous dire. La terre n'appartient pas à la France. Merci pour cette intervention. Une question? Oui, bonsoir. Je vais revenir un petit peu sur l'affaire Ijakata. Vous m'entendez? Oui, en tant que Guadeloupéenne, on va aller leur parler parce que nous ne sommes pas contents. Nous ne sommes pas contents de ce qui est passé. Ce n'est pas normal que la jeunesse guyanaise a dans le chantage Fouipé et il y a exigé pas sanitaire pour des petits monde faire football. Et c'est là qu'a vint jouer Chacha et qu'a dit qu'il ne veut pas être père fouettard. Nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts. Donc, en tant que Guadeloupéens, pas occupés des autres. Nous qui gérer ça. Après, si vous voulez, après, vous qui parlez, c'est vrai, là, mais nous déjà, les deux, madame qui l'a, nous qui parlez, bah, y'a. Tout ça inadmissible. Donc, la parenthèse est close. Alors, par rapport aux réparations, effectivement, il apparaît que la question des réparations serait centrale. Pourquoi quand on dit que la Guyane a été écartée de la liste des pays à décoloniser par le truchement du mot population au lieu de peuple,
Il y a le mouvement Moon Guadeloupe qui a travaillé sur un dossier qu'ils ont transmis à l'ONU. Donc, je ne crois pas que c'est Moon Guadeloupe au départ, mais ils ont été contactés par des associations qui avaient transmis des dossiers à l'ONU par rapport à l'incompétence de l'État français au niveau de la gestion de la distribution de l'eau et de l'accession à l'éducation, puisque les enfants se retrouvaient sans aller à l'école parce qu'il n'y avait pas d'eau dans l'école. Et l'ONU a fait une mise en demeure à l'État français de leur expliquer si cet état de fait, puisqu'ils leur ont dit, mais peut-être qu'ils se sont trompés, mais dites-nous, qu'est-ce qui se passe en Guadeloupe? Et ils avaient une mise en demeure, je crois, jusqu'au 30 septembre. C'est passé sur Facebook. Donc, moi, je demande si tous les dossiers qui ont été mis en place en 2017 et peut-être avant, par rapport à la non-accession à l'eau et à l'école, surtout dans l'Ouest. Et puis, j'ai entendu qu'à Petit Sceau, où les enfants n'ont pas école. Il y a trois sceaux, les enfants n'ont pas école. Est-ce que ces dossiers-là ne peuvent pas être rassemblés? Et puis, troisième point, l'histoire de l'école panafricaine qui est refusée, alors qu'on est dans l'année de... Oh, j'oublie. Je crois que c'est l'année des afrodescendants, je crois, jusqu'en 2024. C'est la décennie des afrodescendants. Donc, vous voyez, tous ces dossiers-là, est-ce qu'il ne serait pas, je vais dire, judicieux, stratégiquement, rassemblés dans la question de la réparation matérielle, de la réparation culturelle, et derrière, en conclusion, on doit réinscrire la Guyane sur les populations. Enfin, ma question. Il y a d'autres monde qui tout ça vous dit, madame, ça nous vient pour nous faire. Il faut nous avoir beaucoup, il faut nous organiser. Ça veut dire, ça cause à la responsabilité, nous chaque qui là, qui rote encore, pour nous mettre les bras, pour nous mettre la main, pour nous faire ça, il vient pour faire. Nous avons créé ça possible. Lors nous avons dit qu'on ça, qui ça congrès, nous avons fait après 30 ans à congrès. Décolonisation, peut-être nous pas expliquer assez ça, ça l'est dit pour nous prendre nos responsabilités, pour nous responsables, dit nous quoi, pour nous pas entendre, il dit nous faire ou bien pas faire. À nous qui dit être fait, nous à nos côtés, et nous d'accord que ça, madame m'a dit. Ouais, mais il faut nous, à beaucoup qui a dit ça, il faut nous mettre la main, pour nous participer, hein, pour nous faire ça, nous n'avons qu'à faire. Alors, nous arrivons tout doucement à la fin de la conférence débat, juste pour vous dire avant de céder la parole, qu'il y a des ventes de t-shirts, hein, CD et Rode Causé aussi. Quelques questions encore avant de clôturer? Il y a des gens qui, depuis tout à l'heure, qui ont besoin de petits mots là, divan. Alors, monsieur, tu as fini? Oui. Donc, il y a dit des mots, si on a des questions, puis après, nous arrêter. Donc, tu réponds un peu, il faut nous faire. Mais je reviens sur l'école panafricaine qui sont refusées. Moubragadé, qui yoka. Il y a validé l'école où c'est qui n'a pas gain sexe. À présent, il y a machin, il y a un qui ouvre Kourou. Oui, oui, oui. Oui, oui, il y a bête binaire là. Non-binaire. Oui, oui. Je ne me rappelle pas, mais il y a un truc comme ça qui s'est ouvert. On est en train de mettre ça en place. Et je regarde que je pense que ce qui nous manque, nous, c'est les profs de français. Les profs de français ici, il faut qu'on arrive à les ramener vers une autre vision des choses, qu'ils ont vraiment leur programme, mais qu'à côté, je vois qu'il y a Madame Tisséka qui fait un petit travail qui est pas mal, il y a Madame aussi, j'oublie son nom, qui fait un petit travail, mais ils sont toujours isolés. Il faudrait qu'on arrive à canaliser tout ça pour pouvoir amener ça directement aux enfants, parce que le problème qui se pose, c'est que nous tout qui l'a gain l'âge. Et avec le système qui se met en place là, qui est déjà en place, eh bien, on s'éloigne de plus en plus vers notre identité. Et le deuxième gros problème, je vais répondre à une personne, le deuxième problème qu'on a en Guyane, c'est que tous ceux qui viennent ne viennent pas pour former la Guyane si nous-mêmes, nous pas encore forts.
Parce que à le fait qu'il est fort, qu'il rota qui accepté participer à dans histoire. Mais Pouillet, il est qu'à venir en France. Il n'est pas qu'à venir en Guyane. En France, il est qu'à venir. Et à ça qui a empêché nous fédérer. Et pour pouvoir retourner ça, eh ben, c'est servi de Yétimoun. Pour Yétimoun, faire sa travail pour nous. Merci. Dernières interventions. OK. Dernières interventions courtes. Courtes, s'il vous plaît. C'est bon? C'est bon? Dernière intervention courte. Non, attends. Attends. On doit libérer la salle. Donc, ouais, ouais. Merci non, pour la compréhension. Une tentative de réponse. Tentative de réponse. Alors, juste pour ça, que le. Ouais, que les Suriname accédé à sa souveraineté. À vous savez que depuis 1953, Suriname a gagné large autonomie. Donc, a été presque naturellement. Et en plus, Suriname a gagné des appuis et Suriname a gagné surtout des appuis financiers. Voilà. Et moi, discuter que un monde au pays de Kimoun et qu'a dit moi, ah, tout pour l'indépendance, mais à présent, moi, dit pour qui ça? Ils disent pas gagné l'argent. C'est très important d'y gagner des appuis financiers dans sa combat aussi. Alors, juste aussi précision, a pour dire qu'en 2003, en fait, qui français a changé sa constitution, parce que dans la constitution 1958, il était bien gagné le peuple guyanais, le peuple martiniquais, le peuple guadeloupéen, le peuple réunionnais. Mais en 2003, français a changé sa constitution et a dit qu'il gagne que le peuple français, tous les autres, a des populations. À ça qui fait effectivement nous qu'il y a un problème. Mais l'ONU pas dupe non plus. Parce qu'en 2016, l'ambassadeur du Venezuela prend sa fonction de président du comité de décolonisation de l'ONU. Il mettait en garde certains pays. Il mettait en garde la France, que ça appelé, nous appelait les DFA. Il mettait en cause les États-Unis et Porto Rico, parce que Porto Rico aussi a vu une situation un peu comme nous. Et surtout, il mettait en cause la Grande-Bretagne, qui est les îles Malouines et Malvinas. Donc, qui a vu une situation encore plus critique qui nous, même qui la Kanaky, dans la mesure où les îles Malouines, Anglais, occupées à plus de 99% d'Anglais, et puis qui a fait un référendum, il a demandé est-ce qu'il reste anglais. Bien évidemment, 100% répondent oui. Merci beaucoup. Donc, venu le temps de la conclusion. Beaucoup parlé. Vous attendez, tout le monde qui a parlé nous a dit beaucoup de bagages. Mais pour une conclusion, d'accord? Est-ce que nous les vraiment décolonisés? Vous êtes décolonisés? Est-ce que vous avez mangé pour du pays? Qui vous a mangé pour du pays là? Qui vous a mangé pour le pays? Qui vous a mangé cochon pour le pays? Qui vous a mangé de la Chine ici? Vous avez mangé yom? Vous avez mangé de la Chine? Vous avez tout couru côté, comment on appelle ça, Carrefour. À Carrefour, ils ont tout calé là. À Carrefour, ils ont tout calé. Arrêtez d'autres courriers, là, parce que moi, quand on est parlé, vous savez, nous qui parlé pendant longtemps encore. Ça fait 70 ans qu'ils nous ont parlé. Mais moi, tu peux parler. Non, moi, tu peux parler. Vous avez écouté tout le temps là, mais moi, tu peux parler, mon frère. Non, en nous, action. Nous les boycotter, la France. Est-ce que nous les boycotter produits de la France? Vous êtes les boycotter? Mangeons local. Mangeons local, les gars. Moi, je vais manger local. Local. Je consomme local. Moi, vous pouvez parler. Parce que je mange local. Je consomme chez moi local. Poulet, il a coûté 20 euros. Mais à poulet, mon pays. Cochon, il a coûté quand même, on va payer 10 euros le kilo. Bon, qu'à manger cochon, mon pays. Bon, qu'à manger mosillon,
Mozachine, moun ki pa konton la la, ka pe sa fouya pe, et a ke sa mou levé. Bon, on nous parle très peu, mais bien. D'accord? Si nous les décolonisés, pouté, vieux blanc de nos pays, excusez-moi l'expression, si blanc là, parce que mon salbouk, mon fond, bon, pas à manger mon mou. Bon, toujours fond. Si nous les mettez sabon de bougla de nos pays, on nous commence à manger local, faire apprendre nous si vous ne parlez créole, apprendre nous si vous qui avez agouti qui si jamais pas gain lapin, d'accord? Il y a agouti, a pas lapin, il y a un cochon bois, d'accord? On nous commence là déjà, si tu as nous commencé là, à là, ben ça a commencé là, maintenant, nous allons commencer à faire un travail en les blancs. D'accord, les gars? Ok, nous allons remercier, collègues. Alors, nous allons faire conclusion. Déjà, moi-même, pour nous remercier, techniciens hein, qui permettent de nous faire ça, ça visioconférence. Parce que vraiment, mon cas de zot, moi, assise là, mon chou a dit, mais c'est Esbouga qui est arrivé, Et nous arrivons, fait bêta, bon, vous êtes vraiment nous remercier. Jean-Georges, côté monsieur. Jean-Georges, et puis que Hector. Vraiment, parce que il est démerdé pour ça. Bon. Oui, oui. Pas bas de Zotko. Mon café conclusion. Pas bas de Zotko. Alors, ça. OK. Ça, un premier point. Ensuite, je vais remercier aussi tous les membres MDS qui permettent sa organisation faite, parce que nous pas qu'à voyer. Il y a tout qu'à mettre la main dans ça, parce que chaque monde va participer pour être arrivé fait. Donc, nous devons nous remercier aussi pour ça y est fait, pour sa organisation nous faire. Ensuite, nous devons dire autres qui a sous-affaire pour conclure bêta comme ça. Donc, nous avons marché combien de temps? Et ça a fait 30 ans, tout aller, etc., etc. Nous avons l'impression qu'il bêta qu'à 30 ans pour venir. Donc, la dernière plutôt. Alors, toi aussi. Et puis, mais là, nous avons regardé tribulation, route qui a passé avant nous. Eh bien, nous avons appris. Il faut être mis. Il faut nous faire ça qu'il faut pour y mis. Nous, on a nous parti MDES. Nous disons ça, ça congrès. Hein, il faut nous assises pour nous garder. Ça nous fait pendant 30 ans. Et puis, quelle façon nous pouvons continuer? Et qu'à semble moi, que nous tout cas dit comme ça, nous pouvons continuer que même ballon. Il faut nous bailler bêta ou notre ballon. Et là, collègue qui a parlé de manger local, eh bien, nous avons des actions pour nous faire. Nous n'avons pas qu'à entendre qui est fait bail nous. Nous prenons nos responsabilités. Là, collègue qui a parlé de, au niveau de nous, l'esprit, pour nous décoloniser nous, l'esprit, qui nous prend nos responsabilités pour nous-mêmes nous faire, pour nous arrêter de demander, retiens, fait bail nous. Pour au niveau de la terre, qui nous considérait qu'il y a nous la terre, qui donc nous apprend nous la terre. Depuis à part la terre moun, depuis à terre moun privé, eh nous apprend nous la terre. Nous organiser nous corps. Nous gain une petite parcelle sous la terre nous gangan. Nous faire une petite combien 20 mètres sur 20 mètres. Machin, mais il mène et canavi à tribunal. Eh ben il mène nous tout à tribunal. Et que maintenant nous tous à tribunal, parce que nous avons coupé Bastia, plus grand encore, nous avons fait nous carber la même. Voilà. Donc, mais madame, nous sommes solidaires aussi. Ça veut dire que nous devons être considérés qui pays a pour nous gagner, il faut nous prendre nos responsabilités. Alors, nous devons que tout le monde participe. Message nous kabaya, a pas de message pour dire on nous fait la guerre. A pas ça, nous avons dit. Mais nous avons dit, imaginez, prends conscience que nous avons existé en tant que peuple. Et en tant que peuple, à nous qui pour diriger, dire nos bagages, à nous qui pour dire, mais qu'on s'en était que les fait, mais qu'on s'en nous les fait nous case, mais qu'on s'en nous les en prendre nous timounan dans l'école, etc., etc. Nous pas gain qu'à demander autorisation. Maintenant, faut nous imaginer, et à ça nous que fait, on a nous concret. Faut nous imaginer qui qualité action pour nous faire justement, pour nous commencer à prendre nos responsabilités en un pays. À sa message à nous, Kabaye. À on a sa sens à nous caler pendant le congrès, nous a fait là. Et nous a invité tout le monde à réfléchir à ça. Parce que là, nous a sorti dans sa congrès. Si Beta Kami, on a nous tête bien, les militants, ben nous qui pour nous marcher en un pays, parce que nous sommes.
à quelque tout le monde, le maximum de monde qui est d'accord pour nous faire nos bagages, en nos côtés, pour nous prendre nos responsabilités. Et puis, formez-nous toutes. Mes pays, à dis-nous. Voilà, merci. À mon conclusion, chers mes reines, nous allons continuer. Pas votre zotko. Alors, avant ça, il faut me remercier, si madame m'a appelé là, Réline, Ali, qui baille le mot de conclusion. Nous allons remercier encore. On nous bat tout en main pour lui, puisque Ali, Ali qui maîtrisait soirée, moi, je dirais, mais Ali qui a maîtrisé. Un grand merci, Maurice, tout le monde, les camarades. Merci à vous d'être restés jusqu'à la fin pour dire effectivement à quel point ce sujet nous impacte, nous intéresse tous, en Outcho, à nos pays. Je rappelle encore une fois qu'il y a des t-shirts avant de partir. Ben, nous force ça aussi. Bonne soirée, bonne route. Dehors, il y a aussi le pot de l'amitié. Ne partez pas à la gorge sèche.